Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo. Vers de Terre Production s'engage pour la transition agroécologique. Vous avez compris que je m'appelle Christophe Van Vel. Donc, je suis en Normandie, 100 km à l'ouest de Paris. J'ai une petite exploitation de 70 hectares avec du limon moyen profond, entre 50 et 90 cm, je dirais, de limon, mais avec du limon posé sur une couche d'argile à silex. Donc, par endroit, il y a des effleurements de silex, donc ça fait des ronds de silex. À côté de ça, j'ai un élevage de volailles label, poulets label, 900 m² de bâtiments, des bâtiments anciens réhabilités. Et puis, à côté de ça, j'ai quelques tares en électronique, en bricole, voilà. Et donc, j'ai mis au point un peson automatique à poulet. Et puis, comme le technicien d'aliments l'a trouvé trop bien, du coup, je le commercialise. Voilà, je peux vous dire sur ma présentation personnelle. Pauline m'a demandé ce que c'était pour moi l'agriculture de conservation des sols. Donc, pendant le temps que j'ai fait ce PowerPoint, j'ai mis les phrases qui me paraissaient bien par rapport à cette agriculture de conservation, parce que pour moi, c'est vraiment un nouveau départ sur ma façon de cultiver ma ferme. Entre ce que j'ai fait depuis 30 ans où je faisais style comme le tout bon céréalier du coin, et à force de regarder des choses, des vidéos, des formations, j'estime avoir changé un peu de vision. Donc j'ai mis 3-4 phrases choc que j'aime assez bien. C'est qu'en réalité, le sol, on ne le connaît pas. Faut changer son regard et puis il ne faut pas non plus être trop stressé. Voilà. Donc, vous avez dû avoir une formation sur les analyses de sol. Du coup, je vous ai carrément mis mes analyses de sol. Comme ça, ça ne veut pas marcher. Si, ça va, ça y va. Donc, j'ai fait faire des analyses de sol sur les 4 parcelles principales de l'exploitation, et j'ai fait ça avec Nutrid. C'est avec le GI2E des Trois Vallées. C'était le CERF France qui proposait ce type d'analyse qui normalement serait plus intéressant au niveau CEC. Donc je vous les donne telles que. Je pensais avoir un pH dans les choux parce que je n'avais pas mis aucun amendement calcaire depuis 30 ans, et tout compte fait, j'ai des pH entre 6,7 et 7,4. Donc, des pH qui sont plutôt tout à fait normaux. Je pensais être à la ramasse en matière organique parce que j'ai ramassé la paille depuis 30 ans et tout compte fait, j'ai des matières organiques qui est plutôt pas si mal. Alors, par contre, faut que je vérifie quand même pas l'efficacité, mais le... Pardon ? La fiabilité, parce que on verra plus tard que dans un essai, l'essai CETA a fait une analyse de sol par OREA, une analyse normale, ordinaire, comme tout le temps, et on ne trouve pas du tout les mêmes valeurs. Alors, ce n'est pas le même échantillon, ce n'est pas la même date de prélèvement, ce n'est pas le même préleveur, mais bon, il y a quand même beaucoup, beaucoup de différences. Donc, les nutrides, je pense qu'ils sont très favorables au taux de matière organique. Parce que c'est pas l'historique que j'ai. Voilà, sinon, les nutrides me disent que je suis à la ramasse en potasse et en magnésium. Donc, ça s'explique par l'exploitation de paille. Donc, j'ai des choses à travailler pour améliorer ma CEC, pour améliorer les choses. Mais ce n'est pas si cata que je croyais. Donc, ça, c'est une première analyse. Une seconde analyse. Donc là le pH est 7,3. Le taux de matière organique est pareil, équivalent. Donc, la CEC est meilleure que l'autre. Alors, parce que je ne sais plus trop pourquoi.
Voilà. Oui, alors je suis aussi tout le temps en très haut en zinc, dans toutes les parcelles, alors que j'ai jamais mis de zinc de ma vie. Et je suis généralement bas en bore et en cuivre, dans toutes les parcelles. Donc, une troisième parcelle, celle-ci, c'est la parcelle justement où il y a les essais CETA, où il y a une analyse contradictoire Orea. Donc là, il me donne 4% de matière organique, alors qu'Orea me donne 2,3. Ça me paraît bizarre. Voilà. Sur celle-ci, j'ai fait faire tous les oligo-éléments, donc le cobalt, le chlore, le molybdène. Donc c'est pareil, je suis un peu à la ramasse en molybdène. Voilà. Le conseiller me dit, enfin le conseiller du CER qui a fait cette analyse me dit qu'il faudrait rapporter du soufre élémentaire et du patène-kali pour remonter un peu la CEC. Donc une quatrième. Bon, je vous les passe pour avoir l'ensemble de l'exploitation, quoi. Celle-ci, cette parcelle-là, c'est une parcelle qui n'a jamais rien eu, aucun effluent. Alors, oui, parce que toutes les autres parcelles ont des effluents d'élevage assez régulièrement, parce que donc il y a les effluents de poulet. Et avant, j'étais éleveur de porc, donc le lisier de porc. Alors que cette parcelle-là, depuis que je l'ai repris en 92, elle n'a jamais vu 1 kg de matière organique. Donc, ce qui se ressent un peu sur la matière organique, bien sûr, là, même pas, oui, très légèrement. Elle n'a pas eu non plus de chaud, quoi que ce soit, donc c'est ma plus mauvaise au niveau pH. Et puis c'est celle que j'ai aussi beaucoup exportée, les pailles, mais que j'ai jamais rien ramené. Donc là, c'est vraiment très dégradé au niveau potassium. Voilà. Ok, parce que tu as plus ou moins d'argile dans ces parcelles-là, ou tu n'en as pas du tout? Non, tout ça, toutes ces parcelles-là sont à 1 km à la ronde. Au niveau qualité intrinsèque de la terre, c'est la même chose, quoi. Ah, d'accord. C'est oui, il y a toute la ferme est groupée, il y a peut-être 2 km entre tous les différents bouts de terre, mais non, pour moi on est sur la même chose, c'est plutôt du limoneux argileux, mais c'est pas un gros taux d'argile, quoi. C'est le relevé de pluviométrie et de température depuis 13 ans, parce qu'on dit toujours qu'il pleut de moins en moins, qu'il pleut pas, qu'il fait trop chaud, qu'il fait trop froid. Et donc en face de ça, moi j'ai mis mes quintaux hectares que j'ai fait. Depuis 13 ans, en gros, la pluviométrie, ça va de 3, alors c'est pas toute l'année, hein, c'est septembre à juin, mais en gros la pluviométrie c'est de 375 mm à 664. Donc la pluviométrie est en dessous de mes rendements, mais la pluviométrie n'a pas que un effet sur, enfin c'est pas uniquement un problème de pluviométrie, c'est un problème de répartition de pluviométrie en été. Et on voit quand même que globalement, quand mai et juin est relativement humide, ça nous arrange bien les affaires pour faire un peu plus de rendement, quoi. En face de ça, bon, ils ont mis les températures. Donc pour moi, il y a pluviométrie et coût de chaleur. Parce que quand on dépasse les 28 degrés, je pense que le blé, il est comme moi, il aimerait bien avoir une casquette parce qu'il doit cramer, même s'il a les pieds dans l'eau. Corrélation, alors en 2016, les 57, là au contraire, c'était un excès de pluviométrie en mai, c'est qu'on n'avait pas eu un poil de soleil et que de la pluie tous les jours. Et donc là, une très mauvaise fécondation. Mais globalement, c'est quand même mai-juin qui fait le rendement. Et quand au mois de juin, on a une semaine où, en début de semaine, les champs sont bien verts et qu'en fin de semaine, on voit des ronds verts dans les champs. Enfin, au début, on voit des ronds blancs, puis à la fin de la semaine, on voit des ronds verts. On peut se dire qu'on a tout paumé, quoi. Donc moi, c'est un phénomène qui ne me plaît pas depuis très longtemps. On fait tout pour avoir des bons rendements et on a une semaine là, qui nous crame tout. Donc ce tableau-là, je trouvais qu'il me permettait assez bien de visualiser ce qui se passait. Donc par exemple, en 2000, on voit clairement, parce que c'était écrit pour une fois, c'est écrit sur un papier jour par jour. C'est que du mois de février jusqu'au mois de début mai, on ne boit pas souvent. Il y a un petit peu d'eau de temps en temps, mais il n'y a pas grand-chose. Au mois de mai, on est en perfusion régulière, mais sans vraiment avoir des grosses pluies.
Et puis au mois de juin, on boit un bon coup. Après, c'est encore à moitié sec. Et puis après, on a de l'eau deux, trois fois. Donc, ça, c'est pour ça que cette année, on n'a pas trop échaudé, parce qu'on a eu de l'eau régulièrement. Et puis après, donc ça a terminé. Puis après, juillet, on sait donc que c'était trop tard pour la récolte, puisque c'était prêt. Donc, c'est plus prêt. Et en température, cette année, on a eu un peu de gelée en mois de février, mais ce qui est quelque chose de normal. Après, on a eu quand même un coup de gelée au mois d'avril, là, qui nous a pas fait trop de bien, je dirais. Et puis après, bon, on a des températures tout à fait à peu près un peu plus un peu froides. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'au mois de juin, on n'a pas eu des coups de chalumeau. On a juste eu là une semaine, un peu 3-4 jours au-dessus de 25. Mais globalement, on n'a pas eu le coup de chalumeau qu'on a tous les ans. Alors, ce qui permet ces différents tableaux de faire une courbe de la RFU, la réserve facilement utilisable. Et donc, en 2021, on le voit très bien, on démarre. Alors, mon sol, on peut considérer que c'est entre ces deux courbes-là, quoi. Là, c'est pour les sols très profonds et là, c'est pour les sols très superficiels. Donc, on voit que début mai, on était déjà quasiment vide. Et en mai, on a vécu parce qu'on avait de l'eau très, très régulièrement. Après, on a eu un coup d'eau début juin qui nous a remonté, il nous a fait remonter un coup, mais après, on a redescendu. Donc, cette année, on n'a pas été en déficit hydrique, mais on a échappé belle, quoi. Parce que si on avait fait comme l'année d'avant, ça faisait ça, quoi. L'année d'avant, il ressemblait à ça. La même courbe, avec les mêmes chiffres, ressemblait à ça. C'est que dès le mois de mai, on n'est plus dans la RFU, mais on est dans la réserve utile. Et puis, on tape dans la réserve. Et puis, à la fin, on est complètement sec. Donc, face à ça, je n'ai pas la corde à tourner le vent. Je n'ai pas des parasols sur mes blés. Donc, je me dis que la seule solution qu'on a, c'est déjà d'améliorer la possibilité des cultures d'aller plus profondément dans le sol, donc d'améliorer la porosité du sol. Donc déjà pour partir sur une courbe un peu plus haute que sur celle-ci. Et puis après, je me dis que tout ce qui est couvert végétal, mulch sur le dessus, doit empêcher de l'évaporation. Donc on doit plutôt arriver à faire une descente un peu moins raide, plus atténuée. Alors on va pas tout gagner. Mais si on arrive à gagner quelques millimètres, c'est les quelques millimètres qui nous manquent pour faire les quintaux, parce qu'en réalité, ça se tient à pas grand-chose, quoi. Ça se tient à une trentaine de millimètres. Voilà. Donc ça, c'était pour présenter mon assolement. Donc l'assolement, donc je vous ai mis 2020-2021. Vous voyez qu'il y a beaucoup de blé. Parce que moi, je fais du blé, deuxième, troisième blé, ça ne me pose pas trop de problèmes. Le blé, c'est ce qui se vend par chez moi, parce qu'il y a Rouen qui nous aspire le blé. Blé, orge, un peu d'orge, et puis du colza comme tête d'assolement. Et puis là, je commence à faire un peu de pois de févrole luzerne, mais bon, ce qui est un peu aujourd'hui riquet, quoi. Y aura certainement plus de pois à l'avenir. Voilà. La rotation avant, c'est colza, blé, blé, blé ou orge, colza, voilà. Mes objectifs, donc, oui, alors j'ai pas dit, mais mes objectifs, c'est de recopier le système charpentier où il fait des rotations à base colza avec de la luzerne, blé avec de la luzerne. Voilà. Bon, il y a la problématique, c'est le régras. Donc, je me dis, alors pour l'instant, c'est de la théorie parce que j'en suis pas là. Pour l'instant, j'en suis ici. Je me dis que de faire une rotation colza-luzerne avec un blé dedans ou deux blés de suite. Et si j'ai une parcelle sale, et ben je fais un pois pour casser le cycle du régras. Si j'ai une parcelle propre, je tente le coup de faire de l'orge pour éviter de faire des pois, parce que les pois, c'est pas une culture qui généralement s'en sort très bien. Juste, excusez-moi, ça fait combien de temps que vous
Vous êtes dans le système Hubert Charpentier. Là, j'ai semé mon deuxième blé, là. D'accord. Okay. Donc, j'ai récolté mon colza de luzerne, j'ai fait un blé de luzerne avec, et là, j'en suis ici. D'accord. Voilà. Parce que donc, moi, comme je l'ai dit dans la vidéo, j'ai essayé de prendre un modèle simple et de le remettre en place, quoi. J'ai pas essayé de faire du très compliqué, parce que dans un premier temps, je trouve que c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc là, je vous ai mis en gros, ce qu'il y avait, il y a déjà plein de choses à apprendre. C'est réussir un semis de colza luzerne. Comment désherber le colza? Les intercultures colza blé, gérer l'azote, régulation et destruction de la luzerne, les intercultures blé blé, le semis du second blé dans le mulch et le TCO. Donc voilà tout ce qu'il faut aujourd'hui arriver à remettre en phase, quoi. Je vous ai mis quelques photos. Alors, le semoir idéal, c'est quoi? C'est comme le genre idéal. Il paraît tout beau au début, puis après, c'est là qu'on voit les défauts. Non, c'est pas ça. Le semoir idéal, c'est le semoir qui est adapté au système et non l'inverse. C'est que c'est bien, tous les marchands de tracteurs et de matériel, ils vont vous vendre un semoir, le meilleur, mais ce n'est pas forcément celui qui sera bien chez vous, quoi. Donc, si j'avais un conseil à vous donner, c'est faites semer par divers prestataires, divers voisins qui ont du matériel différent les premières années. Vous verrez bien par vous-même celui qui vous convient, suivant vos cultures, suivant votre système, suivant si vous avez des déchets, des débris végétaux, si vous n'en avez pas, si c'est des cannes de maïs, enfin, voilà. Pour moi, c'est la seule façon réellement de savoir si c'est bon, quoi. D'avoir plusieurs cuves sur le semoir, c'est quand même très pratique, mais c'est pas non plus quelque chose d'indispensable. C'est bon, c'est un plus, mais c'est pas non, faut pas non plus se focaliser là-dessus. Et puis après, le semoir, pour moi, c'est qu'il faut qu'il arrive à mettre la graine dans les bonnes conditions en bouleversant au moins possible le sol. Parce que c'est clair, net et précis. Pour tout ce qui est problème de régras, tant que vous ne touchez pas le sol, ça ne lève pas. Dès que vous touchez le sol, ça démarre. Les mauvaises graines, enfin, le régras se met à pousser. Et donc voilà. Donc on est dans un système où il ne faut pas travailler le sol, justement, pour les mauvaises herbes. Et puis le grand point, c'est à vous d'apprendre à l'utiliser, parce que vous comprendrez que quand c'est suivant les conditions de sol, suivant plein de choses, chaque matériel est un peu unique, et c'est bien à vous de comprendre comment il fonctionne et de le maîtriser, quoi. Et à combien de centimètres d'intervalle? Moi, je suis à 18,75. Et tu Alors, penses que c'est bon ou faudrait augmenter ou réduire? pour moi, c'est pas excessivement large. Alors, pour mes cultures, hein, pour du blé, du colza, pour moi, c'est bien. Je m'en suis posé beaucoup la question quand j'ai acheté ce semoir. C'est que c'est un 750A, mais un peu bizarre, parce qu'il a trois rangées. Donc, en réalité, je peux semer à 12,5 cm avec. Et sauf que moi, j'ai la rangée du milieu, je l'ai enlevée là. Pour moi, ça ne sert à rien. Plus avec un sous-marin en semis direct, on ne veut pas travailler le sol. Donc, plus on fait de sillons, plus on travaille le sol. Après, pour moi, jusqu'à 20 cm, y a pas, je pense pas que ça pose de problème. J'en ai parlé avec notamment Forler là-bas dans l'Est. Pour lui, il me dit ton potentiel de rendement, c'est combien? Moins de 90. Pour lui, ça pose aucun problème. Moi, je ne pense pas perdre de quinto à l'écartement des sillons. Peut-être même l'inverse. Je pense qu'on est moins sensible aux maladies quand on est un petit peu écarté, parce que la végétation sèche mieux. Et pour moi, c'est plutôt favorable à ne pas avoir trop de maladies. Donc voilà la bête. Donc 750A. Vous connaissez un peu le système ou pas du tout? Donc là, moi, c'est un monodisque.
un monodisque qui est tenu. Sur chaque disque, il y a une roue de jauge qui permet de régler la profondeur. Donc, chaque disque est indépendant. Il y a un disque. Derrière, il y a un socle pour déposer la graine au niveau du bas du disque. Et après, derrière, il y a une roulette de rappui qui roule dans le sillon pour tasser la graine au fond. Et après, derrière, il y a une roue qui passe le bord du sillon pour reboucher. Donc, le problème de ce semoir-là, pour moi, c'est que c'est difficile de pas semer profond. Parce que pour couper les végétaux, il faut quand même que le disque rentre au moins de 3 cm en terre pour qu'il y ait vraiment un effet enclume, quoi. Sinon, autrement, ça ne coupe pas les végétaux. Et donc, ça veut dire que le blé, enfin, les graines sont forcément à la profondeur du disque. Donc, ça veut dire qu'on sème les graines à 3-4 cm. Pour le blé, ça ne pose pas de problème. Mais pour le colza, pour moi, c'est un problème. Voilà. Sur ce semoir-là, au début, je me disais qu'il fallait plusieurs cuves. Donc, d'emblée, j'ai mis 4 cuves. Alors, je vous dis que c'est pas forcément nécessaire, et moi j'en ai mis 4. C'est un contresens, mais aujourd'hui je m'en sers de principalement 2 voire 3, et la quatrième ne sert quasiment jamais, quoi. Donc c'est pratique, je l'utilise, mais si je n'avais pas, ça irait aussi. Voilà, donc j'ai mis 4 cuves. Donc aujourd'hui je suis en 3 mètres à 16 rangs, donc 17,75 d'écartement. Les 4 cuves, ça ressemble à ça, c'est que chaque cuve a une tête de distribution, donc je peux soit envoyer dans le soc, normal, ou soit envoyer derrière entre la roue de rappui et la roue de fermeture. Et là, les deux cuves intermédiaires, je les envoie soit dans cette tête-là, soit dans cette tête-là, ou dans les deux. Bon, ça a un côté pratique, c'est que quand je faisais de la févrole dans les Smith Colza, je mettais les févroles à l'avant, je mettais le colza ici, en envoyant 2,5 kg dans la tête de devant et 2,5 kg derrière, qui se retrouve plus sur le sillon. La luzerne, je la mettais là, plus sur le sillon, ici, je mets de l'engrais. Voilà, c'est le côté pratique. Bon, s'il y a plus de cuves, c'est mieux, mais s'il n'y en a pas, ça va aussi, quoi. Aurélien, tu avais une question ? Oui, du coup, moi, j'ai quasiment le même semoir que vous. Que je viens d'acquérir avec les subventions Agrimer qu'il y a eu mis en place l'année dernière. Ouais. Par contre, savoir si c'est un mécanique ou pneumatique, enfin la distribution, en soufflerie ou… C'est en soufflerie, oui. En soufflerie, d'accord, oui, d'accord, ok. D'accord, non, parce que oui, le système de trémie, j'ai 2 trémies supplémentaires, une petite, j'ai fait faire avec le montage par CP-Bas. Ouais. Donc une petite à l'avant pour colza, anti-limace et une petite graine entre guillemets, et une trémie supplémentaire à l'arrière de 800 ouais. litres pour l'engrais en localisé au niveau des éléments. D'accord. Et vous avez aussi tout un système de tuyaux, ça c'est pas mécanique. J'en ai qu'un seul par contre. J'ai qu'une tête de distribution. Oui, c'est ça, oui. Oui. Une seule tête de distribution. En fait, vous mettez tout dans le même tuyau. Exactement. Il y a un gros tuyau central qui distribue dans toutes les têtes. Oui. Alors, le problème pour moi, c'est que, par exemple, si vous voulez faire de la luzerne, si vous mettez la luzerne au niveau du disque, elle sera trop profonde. Bah ouais, c'est tout le… Après, pour l'instant, j'ai qu'une possibilité au niveau du… Voilà. C'est pour ça que moi, je l'ai bricolé comme ça, que j'ai gardé mes deux têtes. Mm-hmm. Moi, c'est deux accords, en réalité, deux semoirs accords que j'ai mis dos à dos. Et j'ai mis, là, c'est un bout de nodé, ça. D'accord, ouais. Donc voilà quoi. Après c'est j'ai pu le faire parce que j'avais deux semoirs. Après oui, j'ai un collègue qui a fait la même chose que vous, qui a équipé un 750A, ils mettent tout dans le même tuyau. Mais pour moi c'est pas le problème, c'est que vous serez obligé de, si vous faites du semis direct, mettre votre disque assez profond pour pouvoir couper la paille, sinon autrement la paille ça la plie et ça la coupe pas. Et le problème c'est que les graines sont trop profondes. Donc, les améliorations que j'ai faites, donc le tuyau qui est ici, là, il arrive ici, ce qui est dans la deuxième cuve. Donc, ça me met derrière la roue de la rappluie et avant que la roue de fermeture passe. Donc, c'est à moitié enterré. J'ai fait ça, c'est pour semer la luzerne, tout ce qui est en surface. Et ce que j'ai fait depuis cette année, c'est que mes disques-là, ils étaient arrondis, alors que normalement, ils sont vraiment à l'équerre. Donc, j'ai recoupé les vieux disques que j'avais changés
pour ça fait un peu un effet, ce n'est pas un effet d'échaumage, mais ça casse mieux le bord de la muraille, quoi. Donc, je trouve que la fermeture du sillon est mieux avec ça. Voilà. Donc, voilà. Et puis, les modifs que je suis en train de voir pour faire, parce que pour moi, il n'est pas encore optimum, c'est mettre un disque ouvreur. Alors, ce ne sera pas ce style-là de disque, ce sera un disque de 750A, un disque lisse, donc un usé qui va avoir une deuxième vie ici. Avec une roue de terrage dessus, de chaque côté, sur lame de ressort, et une lame de ressort comme ça, en face, chaque élément se meurt. Donc, je vais enlever le rang de devant de mes disques, je vais le mettre au milieu, et je vais mettre des disques ouvreurs devant, qui doivent travailler à peu près à 6-8 cm. Et après, derrière, comme ça, ça me permettra de travailler avec les disques du 750A beaucoup moins profond, pour justement pas mettre les graines trop profondes. Et en plus, ça me permettra de moins appuyer sur les éléments semeurs et donc moins tasser la terre en bordure du sillon quand c'est humide. Et je suis aussi en train de voir pour mettre des chasses débris, alors celui-là ou un autre, pour vraiment virer la paille devant l'élément semeur. Parce que l'idée, c'est de garder la paille quand même. Et à l'arrière, du rouleau, comme il n'est pas large, et que de passer un coup de Cambridge le soir, c'est quelque chose que j'ai tendance à oublier. Je suis en train d'installer un rouleau de ce style-là. C'est un double spire. Donc, en gros, c'est un rouleau qui va rouler en biais sur le sillon tout en roulant droit, quoi. Les spires font que c'est comme si on roulait en biais. Voilà, ça, c'est les projets d'amélioration du semoir. Vous avez des questions ? Oui, moi, bonjour à tout le monde. Bonjour. D'abord, je m'excuse pour mon accent, mais bon, je ne suis pas français. Je crois que vous avez bien compris, je suis italienne. Ouais. Seulement une question dans les dernières photos que vous avez postées sur la partie que vous voulez installer sur la chasse pour déplacer la paille avant de... Chasse débris. Voilà. Parce que alors là, dans votre vidéo, j'ai vu que vous avez une parcelle où le blé n'était pas bien... Il n'a pas bien poussé, oui. Apparemment, parce que vous avez dit qu'il avait beaucoup de paille, donc la paille elle est rentrée avec la semence, et donc le pied n'était pas bien... Oui, ça a bloqué la levée parce que le grain était dans la paille. Voilà, merci pour l'aide. Seulement une question technique, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec les chasses de brise, donc, alors... Je ne sais pas avec quelle variété vous travaillez avec les pailles. Moi, pour exemple, j'ai travaillé avec des blés ici en Italie, avec des blés paysans, des blés anciens, et avec un mix de variétés. Donc, avec la dernière que j'ai essayée, que je suis en train de développer, ça fait 180 variétés de blés à l'intérieur. Les problèmes, c'est l'auteur de la paille. Donc, ce n'est pas un gros problème, mais quand même, il arrive entre 1,50 m et 1,70 m. Donc, si moi je pense à ce que vous voulez faire là pour faire de la place avec la paille, je vois déjà tous les taux de pailles qui vont se bloquer sur les semoirs. Ah ben, j'ai pas des blés avec des pailles d'1,80 m de haut. Moi, les blés, ils font 1 mètre de moins, quoi, de haut. Voilà. Oui, on n'est pas sur ce. Je suis pas sur ce style de variété de blé. Je suis assez d'accord avec vous. Ce style de chasse débris dans des blés comme ça, pour moi, ça n'ira pas. Non plus, je suis d'accord. Mais dans mon blé que j'ai, moi, je pense que ça doit aider. OK. Mais j'ai pas. Voilà. Après, la solution, c'est. C'est de l'exporter. C'est pas de l'exporter. C'est de la ramasser, la donner à un éleveur pour qu'il la mette sous ses animaux. OK, pour du fumier. Et la récupérer. OK. Mais pas la vendre. Non. Voilà.
Mais oui, après, il y a un moment donné, de toute façon, s'il y en a trop, il y en a trop, quoi. Faut inventer un nouveau semoir, là. OK. Bon, merci. Est-ce qu'un semoir à dents, ça irait pas bien dedans? Si on broyait la paille assez finement et qu'il y aurait un semoir à dents plutôt qu'à disque, est-ce que ça serait pas dans le cadre d'une culture de blé d'un mètre cinquante? Ouais. Alors moi, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait plutôt faucher que les épis et passer le semoir à dents et broyer après. Ah oui, d'accord. Ouais, pas bête. Parce que c'est aussi un truc, une gymnastique qu'il faut faire d'esprit, c'est qu'on a l'habitude de faire rase-moquette à la moisson quand on moissonne, de tout couper à ras. Et l'habitude, c'est comme ça. On aime bien voir un beau champ bien propre derrière nous. Mais il y a des fois, par exemple, le 750A va beaucoup mieux à semer dans de la paille debout parce qu'elle ne gêne pas, elle passe entre deux, quoi. Donc, c'est aussi une façon de voir. Il faut anticiper à la récolte ce qu'on va faire. Mais bon, je ne dis pas que ça va tout résoudre non plus par rapport à de la paille d'un mètre cinquante de haut. Hein. Non, mais c'est histoire de réfléchir à comment faire. Mais... Donc, semi-colza luzerne. Je suis un peu les préconisations charpentier. Donc, 5 kg de luzerne et 8 kg, 5 kg de colza et 8 kg de luzerne. Charpentier ne parle pas de luzel. Moi, j'ai mis de luzel en écoutant le JI2E Magellan. Donc j'en suis à ma deuxième année. Et je me demande si c'est vraiment opportun de mettre de la luzelle parce que en réalité c'est pas. J'ai mis la luzelle parce que je me disais que ça va être difficile à maîtriser. Faut pas aller. Enfin, comme tout le monde, j'avais peur de me faire un peu déborder. Et je sais pas si c'est un bon choix. J'en sais rien aujourd'hui. Si de la luzelle normale, tout à fait aussi efficace, peut-être un peu plus difficile à maîtriser, mais qui ferait beaucoup plus de matière. De repousse en interculture. Voilà, donc c'est une interrogation. Et avec ça, je mets de l'ES Alicia. Vous connaissez sûrement, c'est un colza qui fleurit beaucoup plus précocement. Donc j'en mets l'équivalent de 2 grains au mètre carré. C'est pour faire deux pieds en fleurs 8 jours avant le colza. Comme ça, les mélygettes, au lieu d'aller manger les bourgeons de mon colza, ils mangent les fleurs et sont contentes, et moi aussi, parce qu'après, je les garde pour faire des pollinisateurs pour mon colza. Donc, c'est un truc qui ne coûte rien, mais qui est tout à fait écolo et qui ne faut pas se priver, quoi. Pour le semis du colza, plus de la luzerne, je pense, et je ne l'ai pas encore fait cette année, parce que vu la date de récolte, on avait fini. C'est difficile de semer du colza au 1er août, mais il faut semer tôt. Et cette année, j'ai semé vers le 20 août, etc. C'est encore à peine assez tôt. Voilà. La gestion de la paille, aujourd'hui, j'arrive pas à. J'ai essayé. Alors, donc, dans les premières années, j'ai essayé d'apprendre à utiliser le semoir pour faire du semis de colza, sauf que j'ai essayé des bandes paille haute, semi-direct, paille broyée, semi-direct, paille ramassée, semi-direct, et un petit coup de crevercrop et semi-direct. Et à chaque fois, depuis 2 ans, s'il n'y a pas un coup de travail du sol, c'est très difficile de paille exportée et un petit coup de travail du sol, c'est très difficile d'arriver à faire le colza. Ça ne va pas. Donc, pour l'instant, je passe un petit coup de travail du sol, le moins possible, mais j'en passe un quand même. Et puis, surtout, comme je suis en première rotation, je profite pour niveler les rats de charrue, pour tout ça, parce qu'après, on les garde pendant 5 ans et c'est le bazar. Christophe, oui. Avec quoi tu fais ton léger travail du sol avant de semer le... Alors, pour l'instant, je le faisais au crevercrop. Le moins profond possible, mais le crevercrop, même en le mettant pas profond, il va être toujours trop profond à mon sens. C'est que le régras, faut surtout pas qu'on l'enterre. Si on l'enterre, c'est le bazar. Donc là, j'ai acheté des grandes pattes d'oie. Je suis en train d'équiper un chisel avec des grandes pattes d'oie pour
pour essayer de faire un scalper, quoi. Mais c'est l'idéal, ce serait de se passer de ce travail du sol. Donc, je suis aussi en train, d'un autre côté, d'équiper mon semoir de discouvreurs je vous en parlerai après, mais pour en gros travailler les 2 cm où je sème le colza, quoi. Oui, et est-ce que tu peux, ça a été précisé dans la discussion, mais nous reparler un peu de la luzelle. Il y a des gens qui ne connaissaient pas. Alors, la luzelle, c'est une variété de luzerne, mais qui a un indice de dormance beaucoup plus élevé. C'est-à-dire qu'au printemps, elle démarre beaucoup moins vite. Parce que les grandes hantises de mettre de la luzerne dans du blé, c'est que la luzerne démarre en trombe au printemps et qu'en gros, on court toujours derrière et qu'on n'arrive pas à la réguler. Donc, cette variété de luzerne est beaucoup plus tardive à démarrer. Donc, en gros, le blé prend naturellement de l'avance et donc le blé est déjà quasiment à un nœud et que la luzerne, elle est encore toute à peine réveillée, quoi. Donc, naturellement, il y a une bonne régulation qui se fait. Mais moi, je me dis que de la luzerne normale, on devrait quand même arriver à la scotcher un peu avec des produits de type allié. Le blé prendrait le dessus et ça irait. L'avantage, c'est qu'en interculture, je pense qu'il y aurait plus de biomasse. Parce que la luzelle n'est pas pour moi une luzerne qui monte très haut comme une luzerne ordinaire. Donc voilà, et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Oui, c'est que pour moi, les colzas, bah, il faut pas se gêner de mettre un petit peu de fumier ou un petit truc comme ça pour les faire démarrer, quoi. Parce qu'il faut vraiment qu'on ait des beaux colzas à l'automne, notamment en plus par rapport au désherbage. Pour moi, là, c'était des photos que j'ai prises au 15 octobre. Donc une partie de la parcelle, mon colza, bah, ça ressemblait à ça. Juste à côté, une autre partie, là, c'est sur les escourgeons. À ça, et bien pour moi, ça au 15 octobre, c'est pas assez développé, quoi. Là, il n'y a pas d'effet couverture du sol, il n'y a pas les altises, ils commencent à le bouffer et ils le bouffent plus vite qu'ils poussent. Un colza comme ça, c'est le minimum qu'on doit avoir pour le 15 octobre, avec le risque qu'il monte avant l'hiver, mais bon, un risque que j'ai vu qu'une fois dans ma vie et qui n'est pas forcément vraiment un risque, quoi. Et donc, la luzerne dans le colza, ben, au 15 octobre, elle ressemblait à ça. Quand on écarte le colza, elle est là, elle est présente, elle est en dessous. Elle va avoir vraiment le temps de s'implanter. Et alors, c'est dû, excuse-moi, c'est dû à quoi, la photo de gauche? La photo de gauche, c'est dû à qu'il y avait plus de résidus en surface, qu'il n'y a pas dû y avoir de... Hop, ben, attendez. Il y a eu moins de fumier. Là, il y a eu du fumier... Et alors que là, il n'y en a pas eu. D'accord. Et plus de paille en surface. Et pas le même précédent. OK. Mais bon, là, j'ai pris. En réalité, il n'y a qu'une toute petite zone comme ça dans le champ. J'ai pris juste la petite zone pour avoir à refaire. C'est pas ça. Ouais. Et là, je pense qu'on serait plutôt. Mais d'ailleurs, plutôt sur un endroit où il n'a pas été travaillé, quoi. Quasiment pas travaillé. Donc, c'est plutôt la différence. C'était juste une petite bande au milieu du champ, quoi. Et là, en plus, il devait y avoir un mandat de moise batte. Oui, un autre truc, c'est qu'il faut éparpilleurs de menu paille. Il ne faut pas les oublier non plus, quoi. Parce qu'actuellement, j'ai une moise batte qui n'a pas d'éparpilleurs de menu paille et bah, on a tendance à retrouver les dandins. Ouais. Donc, ouais, pour moi, c'est un. Donc, pour vous dire que bah, il faut vraiment que le colza il pédale à l'automne. Parce que si ça ne pédale pas, et bah, ça, c'est ce que j'ai fait les 2 années avant et ça. Et ça démarre mal. Il y a 2 ans, donc on est dans. Il y a plein de gens qui disaient qu'il fallait mettre des févroles, des pois dans le colza pour faire de l'associé. Et moi, je démarrais, donc je me suis mis en idée de tester quel était le meilleur couvert. Donc j'ai fait des bandes de luzerne, des bandes de trèfle violet et là du lotier. Et puis, en même temps, j'ai mis 110 kg de pois févrole, plus de l'engrais, ou sans engrais, ou sans pois févrole. Donc, après, à la moisson, avec mon CETA, on a passé l'hiver et les févroles n'ont pas gelé. Donc, au printemps, il y avait 2 solutions, soit de les traiter au long trail, soit de les garder jusqu'au bout. Donc, comme je suis un grand joueur, je me suis dit, je vais les garder jusqu'au bout. Mais
mais je vais voir ce que je gagne et ce que je perds, quoi. Donc, ça, c'est pour vous donner un peu la physionomie du truc. Et donc, le résultat, c'est ça. C'est que, alors, tout, ça veut dire qu'il y a eu des poids, des févroles, de l'engrais et du couvert. Voilà. Si j'enlève les poids févroles, je gagne 3 taux. Attendez, je vais vous mettre. Je vais faire autrement, je vais faire comme ça. Entre la colonne 1 et la colonne 4. Alors oui, la colonne 4, c'est l'entrée en travers. Je sais pas si vous avez compris. Entre la colonne 1 et la colonne 4, on est quasiment sur une truc identique, mais on a un quintal 8 de différence. C'est principalement dû à la qualité de terre. Voilà. Entre la colonne 1 et la colonne 2, ça veut dire que avec les poids févroles et sans les poids févroles, j'ai 2 quintaux 2 de plus. Les poids févroles n'ont pas été semés à l'automne. La colonne 1 et la colonne 3. La colonne 1, il y a 32,9 quintaux, et la colonne 3, il y a 32,5 quintaux. Donc, cette fois-là, je n'aurais pas dû mettre d'engrais. Mais l'engrais, c'était que des unités d'azote. Donc, c'était, à mon avis, pas suffisant. Cette année-là, c'était la première année, j'ai semé un peu tard, et on n'a pas eu d'eau, et ça a levé au 30 septembre. Donc, ça a démarré mal, quoi. Donc, à mon avis, l'engrais, là, n'est pas significatif, n'est pas intéressante, mais bon, je pense que ce ne serait pas vrai les années suivantes. Et quand on fait l'entrelle, quand on met du l'entrelle en travers, donc c'est ici, moi, c'est derrière, donc je ne vois pas, donc on gagne 1,7 quintaux de colza, mais on perd nos 5 quintaux de févrole. Donc, pour moi, économiquement, ça revient au même. Et par contre, je suis content parce que je n'ai pas mis de l'entrelle. Et puis, donc, tout ça pour vous dire que l'entrelle, pour l'entrelle, moi, je ne fais pas de l'entrelle. Je préfère garder mes poids févroles, quoi. Vous avez des questions? C'est parce que je suis très pédagogue, tout le monde comprend tout du premier coup. L'entrelle, c'est quoi? L'entrelle, c'est un produit qui peut faire crever les févroles. C'est un produit anti-dicote qui passe sur le colza, qui passe sur du blé aussi. Et donc, ça, je n'ai pas la matière active avec moi. Vous tapez sur IFI, vous le trouverez. Je ne sais pas vous dire comme ça. Du clopyralide, c'est une hormone, en fait. Voilà. Si vous le dites, je n'ai pas été voir. Donc, pour moi, pour moi, les févroles n'apportent pas non plus quelque chose, quoi. Au niveau effet azote, pour moi, ça n'apporte rien. Donc, aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions de mettre des poids févroles dans mon colza, parce qu'en plus, ce n'est pas écrit ici, mais j'ai remarqué un truc, c'est que là où il y a des poids févroles, la luzerne est moins belle. Donc, le poids févrole aurait un effet, et je l'ai revu cette année aussi, ça aurait un effet dépressif sur la luzerne. Donc voilà, donc à travailler, à peaufiner pour mieux maîtriser l'affaire, quoi. Voilà. Le désherbage du colza associé. Déjà, pour moi, il faut partir sur. Il faut taper au maximum les dicotes dans la culture précédente. De toute façon, c'est la culture d'avant, c'est là où vous allez détruire la luzerne. On verra plus tard, mais la luzerne, pour la détruire, c'est quelque chose qui devient solide. Donc, il faut taper beaucoup les dicotes sur la culture précédente. Il faut en profiter. C'est une graminée en général, donc il faut en profiter pour nettoyer le champ. Après, d'après Charpentier, toujours le colza fort a un effet étouffement. Donc, pour lui, il n'y a quasiment pas besoin d'antidicote sur le colza. Et cette année, les photos que je vous ai fait voir, je n'ai pas fait d'antidicote. Et ma luzerne est belle. Voilà. Et il faut bien faire des antigraminées pour justement laisser la colza pour qu'il se développe, pour pas que les graminées bouffent la tote. Et puis après, on fait du kerm uniquement pour taper les graminées. Et au contraire, là, il faut en profiter pour taper sérieusement les graminées, quoi.
Et parce que le problème, c'est que l'année d'avant, j'ai fait Tanaris, Noval Tanaris, parce que comme je suis un agriculteur conventionnel qui ne peut pas s'empêcher de désherber son colza, j'ai fait un désherbant. Donc, j'ai appelé mon marchand de phyto. Il m'a dit, si, fais du Noval Tanaris, ça marche, il n'y a pas de problème, tu ne vas pas tuer la luzerne. Sauf que, eh ben, en broyant mes chaumes de colza après la moisson, eh ben, je suis tombé sur ça. Là, on est dans un train de traitement. Là. Attendez, je vais mettre la photo plus grande. Là, on est dans un train de traitement. Bizarrement, sur 24 mètres de large, sur une longueur, la luzerne est belle. Et tout le reste du champ, elle n'est pas belle. Dans les doublages, il n'y en a plus du tout. Donc, le tanaris, pour moi, n'est pas du tout favorable à la luzerne, en réalité. Donc, si on peut se passer de désherbant, il faut s'en passer, quoi. Parce que pour moi, à cette date-là, tout le champ devrait être comme ça. Donc, c'est encore un sujet à prendre, mais pour moi, donc d'après, donc du coup, j'ai appelé, j'ai eu contact avec monsieur Charpentier, et pour lui, il ne fait pas d'antidicote sur le colza, il joue sur la date de semis, fertilisation du colza pour qu'il démarre, et le seul truc qu'il fait quand vraiment il a qu'il connaît des champs qui ont des problèmes, c'est un petit coup de springbok. C'est le seul truc qu'il s'autorise à faire. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le désherbage de la luzerne. L'interculture blé-colza. Donc toujours M. Charpentier dit qu'il faut faucher des canaras. Donc là, je vous ai mis la photo d'une faucheuse, ce n'est pas la mienne, mais c'est la même que j'ai. Au début, j'avais acheté une faucheuse uniquement avec les disques, sans éparpilleur derrière, sans conditionneur. Mais sauf que ça a tendance à faire des bandes des andins. Et c'est le problème que j'ai eu l'année dernière, que mon blé dans tous les andins de paille, ça n'avait pas été. Donc depuis, j'ai acheté la même que celle-ci, sauf que j'ai enlevé toutes les tôles là, pour faire l'andin. J'ai rabattu la casquette et j'ai remis des tôles dedans pour réétaler la paille. Et donc là, j'arrive à avoir une paille qui est quasiment réétalée homogènement sur le terrain. Pour moi, c'est hyper important. Il ne faut pas une portée, une traînée, parce qu'avec les roues, vous ne pourrez pas étaler. Pour moi, c'est la solution que j'ai trouvée à peu près idéale pour l'instant. Donc là, j'ai refauché mes cannes de colza sitôt la moisson. Et là, j'ai refauché mes cannes de colza vers le 20 septembre, par là. J'ai refauché mes chaumes de colza parce que donc, la luzerne était en train de pousser avec les petits colza. Et pour moi, de faire du semis de blé dans du colza comme ça, pour l'image de marque du semis de l'ACS, c'est vachement mieux que de faire du semis dans un colza dégueulasse où il y a des trucs qui repoussent et tout ça, quoi. Donc, c'est principalement pour ça que je refauche. Et en plus, j'avais un peu de rumex dans ce champ-là, donc je me dis que c'est un moyen de nettoyer. Voilà. Vous avez d'autres idées, d'autres questions sur le colza ? Ça a été refauché avant le semis ou juste après ? Avant le semis, une quinzaine de jours avant le semis. D'accord. Et les débris de la fauche, ça ne gêne pas le... Non, 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 ça n'a pas posé de problème ce mois. Au contraire, les colzas, j'ai fait ça 8-10 jours avant de... Oui, peut-être 15 jours avant de faire le glyphosate sur le colza. Donc, j'ai fait des colzas tétards. Fait des colzas qui ont... On fait des petites feuilles sur le côté. Après, j'ai mis un coup de glyphosate dessus au moment du semis du blé. 1,2 litre, pas plus. Et en gros, là, mon blé commence à être à 2 feuilles et le colza est encore à moitié présent. Donc, on n'a pas un champ tout jaune, tout dégueulasse pendant 15 jours ou 3 semaines avant que le blé pousse. Donc, pour l'image de marque, pour moi, c'est important aussi. Et l'autre truc, c'est que j'ai mis de l'anti-limace au moment du semis, dans la ligne de semis. Et dans mes champs de colza, je n'ai pas remis d'antilimaces aujourd'hui. Quand on y va à la pile électrique le soir, les limaces, il y en a partout. Ils mangent quelques feuilles de blé par-ci, par-là, mais ils mangent surtout le colza. Donc, moi, pour moi, ça, si c'est bien comme ça, ça me va bien, quoi. Voilà. D'autres questions ?
Merci. De faire de la luzerne dans le colza, enfin de faire de la luzerne dans la rotation, Charpentier vous dira que lui il met 120 unités d'azote et il fait 80 quintaux et que tout va bien. Donc moi je suis quand même un petit peu curieux, donc j'ai quand même voulu le mesurer avant de me lancer à mettre que 120 unités. La première année, c'était quand même un petit peu plus sérieux. Donc, en phase avec le CETA, on a mis en place un essai courbe de réponse à l'azote. Donc là, c'est une photo aérienne de l'essai. Vous regarderez aussi les petits trous. Là, c'est mes copains les mulots qui commencent à s'occuper de mes champs. Donc, il faut surtout que je mette des perchoirs rapidement parce que ça commence à… C'est, au bout d'un an, voilà ce que ça fait, les mulots. J'ai eu de la chance, l'hiver a été humide, au printemps ils étaient pas mal dégagés, mais bon, c'est un problème. Là, vous avez deux bandes où il n'y a pas de blé, c'est uniquement pour voir si la luzerne, comment réagit la luzerne, voir ce qui repousse au printemps, et surtout, ça me permet de juger de quand faire les produits pour réguler la luzerne. Voilà. Et donc là, on a fait des micro-parcelles avec différentes doses d'azote. Et sur des blocs, on a détruit la luzerne au semi du blé. Alors, on n'est pas vraiment sur un essai avec ou sans luzerne. On est sur un essai luzerne détruite. Donc, on verra que ça, à mon avis, ça a un petit peu modifié les choses. Donc, le CETA, l'historique de la parcelle en 2019. J'avais un labour d'avance. Alors avant, quand je fais du deuxième blé, je fais un labour très précoce que je retravaille et je mets un couvert sur le labour, un couvert avec moutarde colza. Et après, au mois d'octobre, je vais ressemer du blé dedans. C'est la solution que j'ai trouvée pour avoir une restructuration du sol et avoir un meilleur deuxième blé. C'est la solution qui marche, à mon avis, pas mal. Donc, en 2020, un passage de coup de travers crop pour le semis du colza. Donc là, cette parcelle-là n'est plus travaillée depuis août 2019. Les reliquats azotés, où la luzerne était présente, on a 25 unités. Où la luzerne était prise, on a 20 unités. Voilà. Et la courbe de réponse à l'azote, eh bien, on voit que, alors, en vert, c'est la luzerne associée, et en bleu, c'est la luzerne détruite. Donc, en vert, avec la luzerne, on a un optimum de rendement à 205. Et en bleu, on a l'optimum de rendement qui est à 240. Voilà, et on a un meilleur rendement avec de la luzerne détruite qu'avec de la luzerne associée. Donc, par rapport à ça, il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'on n'est pas en luzerne, on n'est pas en sans luzerne, on est en luzerne détruite. Donc, ça veut dire que ma luzerne, elle avait déjà vécu dans mon colza. Du semis de septembre jusqu'au semis de blé octobre. Elle a vécu un an dans mon colza, même si elle était toute petite. Est-ce que c'est elle et qu'on l'a détruite, est-ce que c'est elle déjà qui rapporte quelque chose? Donc ça, c'est mon hypothèse. L'hypothèse de mon technicien de CETA, il me dit, pour lui, ce serait plutôt un problème de concurrence de la luzerne par rapport au blé. Et ça pourrait se confirmer parce que sinon, on aurait un plateau qui serait au même niveau, quoi. Donc là, comme pour lui, ce serait plutôt un problème de concurrence. Donc, c'est, je ne sais pas. Voilà. Donc tout ça, pour vous dire qu'avec de la luzerne détruite, on a 80 quintaux. Et avec la luzerne non détruite, on a 77 quintaux. On a 3 quintaux d'écart en défaveur de la luzerne. Mais on est aussi dans une première année, on n'est pas dans un système où on est en croisière. Dans 4 ans, quand j'aurai fait un tour, j'aurai
une vieille luzerne qui sera en train de se minéraliser en dessous, quoi, alors qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas. Donc, tout ça pour dire que, bah, après les rendements, bon, bah, moi, moi, dans mon champ, je suis à un petit 200. Bon, tout compte fait, je n'ai pas fait de conneries, j'étais à peu près à l'optimum. Et donc, bah, sans azote, on fait 38 quintaux. Donc, c'est pour l'année prochaine. Quand il n'y aura pas d'azote d'acheter, on va faire 38 quintaux. Non, pardon. On va essayer d'en acheter un petit peu quand même. Et puis bah, voilà, voilà la courbe de réponse à l'azote. Vous avez des questions là-dessus ? Pas de questions ? Si, moi, je me demandais, là, comme ça fait peu d'années que tu as commencé le semi-direct, là, est-ce que tu as déjà un effet, par exemple, sur la structure ? Parce que tu dis que oui, la luzerne, aujourd'hui, peut-être qu'elle ne rend pas. Est-ce que déjà, aujourd'hui, la structure et la vie biologique, elle est déjà très active dans tes sols ? Alors, on va le voir à la fin, justement. C'est la photo que j'ai fait ce matin. Je vais vous donner ça, avant. J'ai fait, ce matin, je suis allé refaire un profil de sol. C'est le même champ. C'est donc mon champ où il y a la luzerne. Ça, c'était le colza a été commencé à fleurir, donc c'était au mois d'avril 2020. Voilà ce qu'on voyait. On avait une couche de 20 cm là, avec une belle ligne là, comme si on avait coupé ça au couteau. Puis en dessous, on avait quelques racines, mais pas grand-chose. Et là, j'ai refait la même chose ce matin. Alors moi, je vois beaucoup moins de lignes de coupure. Et puis bon, on a des racines qui sont arrivées à 60 cm, quoi, là. Donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant. Donc ça se pourrait que la luzerne ait après des meilleurs résultats à l'avenir associés au blé, bah, dans des parcelles, en tout cas. Moi, je pense. Et surtout, le blé, il devait arriver là. Et puis, je ne suis pas sûr qu'il y avait vraiment une bonne continuité entre les deux. Il devait y avoir quelques racines qui passaient, mais pas grand-chose. Parce que là, on ne le voit pas sur la photo, mais il y avait des racines qui arrivaient là et qui faisaient un plateau puis qui repassaient à côté, quoi. Alors que je me dis qu'avec ça, la rotation d'après, ça doit mieux descendre. Donc la luzerne, et en plus, de toute façon, la prochaine rotation, toutes ces racines-là, ça va devenir de la bouffe pour le blé, quoi. Qu'on n'a pas là. Puisque, donc, est-ce que l'année prochaine, tu comptes baisser l'azote déjà ? Ben, oui, parce qu'il est cher. Ben, je ne vais pas en mettre, je n'en ai pas acheté encore. Alors. Moi, pour moi, en première rotation, moi, j'étais parti à mettre 140. J'avais fait mon bilan, moins 60. Comme on a eu de l'eau en mai, j'ai rajouté 100 kg d'ammonitrate. Je pense que l'année prochaine, je vais faire ça, quoi. Mais je ne vais, pas aller directement à 120, non. Mais d'accord, ok. Après, c'est pas très compliqué. Après, je pense qu'il faut aussi, alors sans le fait dans le cadre d'un cadre d'un état, on peut aussi très bien laisser une demi-rampe de tonne où on met 50 et voire 100 unités de moins. C'est assez facile à faire. Et puis à la moisson, on fait une pesée. Hein. Et je pense que c'est quelque chose à faire pour vraiment le mesurer. Aujourd'hui, je peux pas vous dire faut faire ou pas faire. J'en sais rien. Mais moi, je vais pas me prendre le risque de baisser non plus tout d'un coup, quoi. Parce que là, si je reprends mon Cetta à 120, je perdais quand même quelques quintaux, quoi. Là à 100, alors on n'a pas 120, mais à 120, je faisais un petit 70 quintaux. C'est clair qu'il y a une différence. Au départ, oui, il vaut mieux maintenir. C'est sûr que la luzerne n'est pas en place. De toute façon, pour moi, de la luzerne ne nourrit pas le blé parce qu'elle est à côté de lui. La luzerne nourrit du blé quand les feuilles sont tombées au sol et qui se font digérer par la vie biologique et quand les racines sont mortes et se font digérer par la vie biologique. Tant que pour moi, il n'y a pas de transfert d'azote de la plante à la plante. Ouais, c'est un peu comme l'histoire de la févrole, quoi, finalement. Ah, oui, pour moi, la févrole, c'est pareil. La févrole, ce n'est pas les nodosités de la févrole qui nourrissent le blé. C'est la févrole qui est crevée qui nourrit le blé. Ok, maintenant c'est clair. Bah, moi, je vois ça comme ça. Donc il faut, de toute façon, il faut amorcer la pompe. Donc, voilà.
C'est des pistes, hein, c'est des pistes de travail. Dans tous mes champs, là, il y a Martin Rollet de Vers de Terre Production dans le cadre du Food Scanner qui a fait des analyses de sève. Donc, je ne sais pas si vous en avez vu, mais je vous en ai mis une histoire de vous faire voir ce que c'est. Donc là, c'est une avec zéro azote. Hein. C'était une bande témoin avec zéro azote. Alors, c'est pareil, même problème que l'analyse tout à l'heure de Terre Albrecht. Je suis comme vous, je découvre beaucoup de choses aussi dans ce domaine-là. Alors, celle-ci, elle est un peu à la ramasse partout parce que c'est une zéro azote, mais ça nous permet de voir les taux de magnésium et tout. Alors, le vert clair, c'est les feuilles jeunes et le foncé, c'est les vieilles feuilles. Et donc, on a les différents éléments de la sève sur deux étages de feuilles. Hop. Et pourquoi ça ne veut pas marcher, ça? Voilà. Et donc, le seul truc qu'on voit, alors là, on ne le voit pas, attendez. Donc voilà. Après, de toute façon, vous avez une formation sur le sujet et Martin vous mettra ça en long, en large et en travers. Donc, je laisse faire. Le seul truc que le CETA a fait, c'est qu'ils ont compilé un peu toutes les données de ça. Et donc, principalement, là où on voit quelque chose qui bouge, c'est dans l'azote total contenu dans les feuilles, suivant les apports. C'est la seule corrélation qu'on voit par rapport aux apports d'azote. Autrement, les autres trucs, pour en tirer des conclusions, c'est un peu compliqué pour moi. Voilà. Mais c'était juste une mise en bouche pour vous faire voir qu'on peut faire. À mon avis, c'est quelque chose qui va permettre de piloter les carences avant qu'elles arrivent, quoi. Notamment en oligo. C'est bon ou vous avez des questions? Non. Oui. Est-ce que tu pourrais un peu détailler quand tu as fait tes prises de feuilles? C'est pas moi qui les ai fait, c'est Martin. D'accord. Donc je peux pas trop détailler, il cherchait des parcelles pour son foot de scanner là, pour faire la corrélation, pour mettre au point le truc. Donc il a fait des relevés, des campagnes de relevés. Vous allez voir la vidéo sur, il y a une vidéo qui tourne sur internet. Je mets le lien plus bas. C'est un an Food Scanner, un an après ou un truc comme ça, où il détaille un peu tous ses résultats et donc tous les essais tout ce qu'il présente, ça sort de chez moi en partie. Donc le taux de tout ça, donc ça sort de chez moi. Et voilà. Mais après, je ne peux pas aller plus en détail sur ce sujet parce que je ne suis pas encore assez bon dans ce sens-là. Juste une petite question concernant l'azote sur le colza et sur l'implantation. Est-ce qu'il y a du lisier, du fumier ou quelle était la quantité totale au niveau azote sur les parcelles de colza? Alors, la parcelle de colza que je vous ai fait voir la photo là, tout à l'heure, donc le colza implanté depuis 2 ans n'avait pas reçu des fluents d'élevage à l'automne. Par contre, sur la photo du colza que je vous ai fait voir au 15 octobre, là, il a reçu du fumier de volaille. D'accord. Quantité, c'est un peu compliqué à mesurer. 5-6 tonnes. Tonnes, quoi. Ouais, 5-7 tonnes, ouais. Par contre, du fumier bien, bien mûr, bien composté pendant 2 ans. Voilà. D'accord. Pour moi, c'est bon, aujourd'hui, de toute façon, mon fumier, maintenant, j'ai plus que ça. Non, puis j'ai aussi du fumier de cheval parce que je fais un échange, pas de fumier. Mais je l'ai privilégié pour le colza, quoi. D'accord. Et pour au moi, niveau c'est... azote total sur la parcelle, ça représente combien d'unités? Le colza, j'étais à 200-220. D'accord. Avec les effluents? Non, 200, non, 200 en apport. Les effluents, non. De toute façon, attendez, non, l'année dernière, il n'y avait pas d'apport de fumier.
Donc, j'étais à 220 avec les fumiers à l'époque. D'accord. Cette année, je n'ai pas fait mon bilan encore, je ne sais pas où je vais en être. De toute façon, déjà avec le taux de matière verte, avec les kilos de matière verte que j'ai aujourd'hui, j'ai déjà un kilo de matière verte, 65 unités, c'est ça, je crois, peut-être. J'ai déjà gagné, par rapport à l'année dernière, j'ai déjà gagné quasiment 100 unités. Quoi. La fumée sera réduite d'autant. Parce que là, pour le bilan PPF colza, on fait des mesures de matière verte avant l'hiver et après l'hiver. Oui. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Mais bon, de toute façon, l'année d'avant, le colza, enfin pas l'année d'avant, il y a deux ans, le colza avait été semé tard et il a élevé en octobre. Donc, de toute façon, il n'y avait pas de matière verte à l'automne. Oui. Donc, voilà. Pour, okay. Alors, d'après moi, ce que me disait Guillaume Tan du CER, là, pour lui, oui. On devrait avoir une fumure azotée au printemps sur du colza qui est moins de 150 unités. Quoi. Tout à fait, oui. Si on est à plus que ça, ça veut dire qu'on n'a pas ce qu'il faut avant. Oui, ok. Donc, on est sur les mêmes hommes. J'ai acheté le kit là, justement pour faire. Parce que là, on pourrait très bien en faire à cette période-ci, là, pour voir où c'est qu'on se situe. Les prélèvements de... De feuilles sur les colzas. Oui, bah, nous, le CETA nous conseille de les faire en printemps. Attendez, j'ai pas compris ce que vous avez dit, quand ça coupe par moment. Nous, le CETA nous conseille de commencer à les faire, là, les colzas, les prélèvements de biomasse, et d'en refaire une deuxième au printemps. D'accord. Voilà, pour voir ce qu'on a perdu dans l'hiver. Et d'accord. Après, ils ont un ratio de... Je sais plus comment ils font, il y a un calcul entre les deux. Quoi. On prend... Je ne sais plus trop comment on fait. Vous prenez les feuilles basses et les feuilles hautes, c'est bien ça, le protocole. Pour l'instant, non, Vous parlez de quoi, là? Du colza, des feuilles de colza. Non, moi, je vous parle de la biomasse du colza. Oui, tout à fait, oui, de la biomasse. Par rapport au PPF. D'accord. Là, on prend d'accord. Le pied. On ah, prend et vous ne prenez pas, d'accord. Okay. On prend tout le colza, on prend le pied jusqu'à ras du sol. Et vous faites la pesée, voilà, d'accord. Ça, c'est la pesée. La pesée. Densimétrique, oui. Voilà. Et moi, je parlais avec Guillaume Tam. De simplement des feuilles pour faire ce tableau-là que vous avez devant vous. Ah oui, la sève. Oui, voilà, tout à fait, oui, pour faire la sève. L'analyse de sève, oui, ça c'est un autre. Oui. Alors, moi, quand est-ce qu'ils en ont fait? Quand est-ce qu'il les a fait, Martin? Est-ce qu'il en a fait à l'automne? Je ne sais plus. Mais sur le colza, j'en ai fait il en a fait au printemps. Et du coup, on avait sur le colza, on avait repéré une carence en bore, cuivre pas magnésie, manganèse. Oui, c'est ce qui a. Voilà. Ok. Mais ouais, non, mais les analyses de sève, c'est deux choses par rapport. Moi, tout à l'heure, j'étais sur le bilan azoté. Oui, d'accord. Non, mais moi, j'étais sur les analyses de feuilles de Guillaume Tam là, justement. C'est quelque part l'avenir de faire c'est une partie de l'avenir quoi. Oui. C'est la prise de sang qu'on fait pour savoir si on a du cholestérol avant d'être malade quoi. Tout à fait. Voilà. Mais après, il faut que nos conseillers deviennent bons et sachent nous les interpréter. Oui. Voilà. Donc c'est une deuxième étape. Et parce que pour moi, mettre des produits, mais c'est pareil en phyto et fongie, enfin en fongie, il va falloir qu'ils s'améliorent aussi, parce que faire du systématique, c'est une aberration. Il faut qu'ils deviennent bons. Quoi. Ouais. Donc, la régulation de la luzerne. Oui, dans ma bande, donc je n'avais pas semé de blé, la luzerne, elle ressemblait à ça. Ça, c'était, on est 15 juin. Et dans le témoin au-dessus, là, c'était pareil. Hein, au niveau au mois d'octobre, c'était pareil. Il y avait autant de luzerne là que là. Mais rien que le fait de mettre du blé, la luzerne, déjà, elle est bien calmée, elle est toute seule. Après, le CETA a essayé des produits. Là, c'est un produit violent, c'est un produit du beau fixe, parce qu'il y aura, à mon avis, une complication. C'est comment détruire la luzerne en fin de rotation pour repartir. Parce qu'une fois qu'elle est implantée, on ne veut pas travailler le sol, donc il faut comment on fait pour la détruire quoi. Voilà.
Donc, tous les carrés du CETA avec différentes doses d'herbicides et tout, ça n'a pas donné des. Il y a deux phénomènes. Il va falloir qu'on aille faire quelque chose par rapport à l'observation et par rapport à la dose. Parce que par exemple, les 15 grammes d'alliés, fin avril, ils ont fait une bonne régulation de la luzerne, et fin mars, ils n'ont pas fait beaucoup moins de régulation. Et moi, je l'explique parce que, en gros, quand on met de l'allier sur de la luzerne, on ne la fait pas crever, on la tasse un petit peu, quoi, on la ralentit, et on devait être un petit peu trop tôt par rapport à la pousse du blé. C'est-à-dire que la luzerne avait détoxifié avant que le blé commence à pousser. Alors qu'au mois d'avril, le blé était plus dans une phase de croissance active, donc on a calmé la luzerne et le blé a pris le dessus. Moi, j'explique ça comme ça. Le Staran ou le Chardex, c'est deux produits qui ont été testés sur les bandes témoins, justement, où il n'y avait rien de fait au mois de juin pour dire « Allô, allô, comment je fais ? Là, je suis envahi. » Et donc, c'est des produits qui ont bien rabattu la luzerne. Donc, le Bofix ou ses équivalents, ce sera certainement ce qui va finir pour la destruction. Mais même ça ne suffira pas, il faudra sûrement un peu de glyphosate par là-dessus parce que là, ça ne suffira pas. Mais après, est-ce qu'il faut vouloir la détruire entièrement? J'en suis pas sûr non plus. Est-ce qu'elle est gênante dans du colza? Je sais pas, à voir. Mais pour moi, ce qui va piloter le produit qu'on va utiliser, ça va être déjà les adventices de la parcelle. Parce que là, cette année, j'avais du 600, à chaque fois je me trompe, de l'Anthrix. Donc, c'est du produit style Harmonie M. C'est l'équivalent du Racing TF qui ont dedans, donc c'est de l'allié de l'Harmonie SX. L'Harmonie SX, elle est sélective de la luzerne. Mais donc, ça permet d'avoir les deux produits pour beaucoup moins cher que pour faire le 6 cimbres. Et puis, les bandes, pour moi, les bandes sans blé, elles sont indispensables les premières années pour comprendre comment ça fonctionne. Parce que là, on joue sur une... On joue sur en maîtrisant la concurrence luzerne-blé, quoi. Il faut arriver à jouer là-dessus. Et on voit que le blé pousse, après on voit que la luzerne commence à se mettre à pousser. Pour moi, c'est la solution la plus simple pour arriver à faire quelque chose. Après, quand on traite, on ne traite pas une partie de la bande en question. Comme ça, on voit l'effet du produit sur la luzerne et on voit quand elle redémarre. Pour moi, c'est la meilleure solution pratico-pratique pour arriver à mettre le système en place. Vous avez des questions? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un champ bien régulé? Pour moi, là, on voit la bande de luzerne dans le blé à la moisson. Pour moi, à droite de la bande de luzerne, j'estime que ce serait du bien régulé. On voit quelques touffettes de luzerne par-ci, par-là. Pour moi, ça me plaît bien. Ça veut dire qu'elle est là, mais ça veut dire qu'elle n'est pas oppressante. Là, c'est déjà... un peu moins bien régulé, c'est limite concurrentiel. Par contre, là, sur la photo de gauche, c'est nettement pas assez régulé, quoi. Bon, mais là, il y avait un problème. Alors, oui, quand vous avez un problème de densité de blé, parce que là, on est dans dans la fourrière, et donc là, avec la tonne, il doit y avoir un petit carré où il n'y a pas eu trop d'azote. Donc, problème de densité de blé, la luzerne, elle en profite pour prendre la place. Donc, il faut aussi avoir des blés bien semés, réguliers, pour justement faire concurrence à la luzerne. Donc, c'est un vrai jeu d'équilibriste, tout ça. Là, on était le 13 août. Moi, j'étais en train de finir de moissonner. Donc, je fauchais les épis aller à la bonne moitié du blé, quoi. Et ma fille était en train de faucher tous les chaumes à la faucheuse. Donc, on a tout coupé à ras dès le jour de la moisson pour justement favoriser les rapaces. Et le 27 septembre, je suis revenu avec la faucheuse parce que donc, j'avais fait la première fauche avec la première faucheuse qui en donnait. Et donc, je suis revenu avec la faucheuse pour réétaler la paille. Et donc, au mois de septembre, mon champ de luzerne, il ressemblait à ça. Donc, à mon avis, ce n'est pas du tout suffisant.
Il y a des trous là qui me plaisent pas. Densité, pour moi, c'est pas suffisant. Alors, deux hypothèses. Semi-trop tardif, que la luzerne n'a pas poussé assez vite à l'automne, et ainsi de suite. Ça aussi, du tanaris, donc phytotanaris. C'est pas parfait, c'est pas bien, c'est pas assez. On fera mieux l'année prochaine. Vous avez des questions ? Oui, du coup, dans les trous, est-ce qu'on peut recombler ou est-ce que c'est à difficile avis, c'est de réimplanter une luzerne dans une luzerne ? À mon avis, ça va être compliqué de. Alors justement, j'ai mes champs de colza qui ne sont pas beaux. Je me dis comment je fais pour ressemer de la luzerne. Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé de solution. Si vous semez de la luzerne dans le blé au printemps, à mon avis, c'est même pas la peine parce que le blé va tellement étouffer qu'elle va être tiolée, qu'elle va pas pousser. Je sais pas. Après, il faudrait peut-être la semer juste après la récolte, juste après la moisson, si vous voulez. Ouais. C'est à mon avis, ce serait le meilleur moment, quoi. Mais parce que la luzerne, c'est une plante quand même que j'ai l'impression qu'il pousse. On arrive à la semer au printemps ou carrément en juillet, mais pas. Ou alors l'autre solution, ce serait peut-être à la volée juste avant la moisson. Ah oui. 8-10 jours avant, mais pas plus, parce que si à ça tombe, enfin, si elle commence à pousser trop, et elle va s'étioler quoi, sous du blé. Mais le problème, c'est que c'est une semence qui vaut quand même un peu cher, donc c'est ça. Je joue, mais pas trop quoi. Mmh. Voilà. Donc est-ce pour moi, que... je suis. Oui. Pardon. Vas-y. Est-ce qu'on peut pas combler ces trous là avec une autre espèce, des trèfles, du lotier, des choses comme ça? Alors oui, tout à l'heure, je vous ai parlé que j'avais fait des bandes de trèfle de lotier et de trèfle lotier. Oui. Moi, je ne suis pas fan de ces deux plantes-là. Le trèfle, j'en ai fait dans une parcelle il y a 3 ans. Le trèfle, alors au début, ça ne pousse pas. Après, ça pousse une fois que c'est planté. C'est vraiment un truc, il a pris de l'allier, il a pris du glyphosate, il a pris un tas de choses, il est toujours là, quoi. Et du trèfle dans du blé, mon blé dans cette parcelle-là, il était un peu clair. Ça fait vraiment une moquette humide au fond. C'est plus herbe pour le trèfle. J'ai répondu aux questions ? Oui, merci. Est-ce qu'on peut prévoir une montée à graines de la luzerne pour éviter de la ressemer ? Pas cette année, parce que cette année j'ai fini de moissonner le 15 août et la priorité c'est quand même semer du blé au mois d'octobre. Donc pas cette année, parce que en plus on a eu de l'eau juillet, août et compagnie, et pas trop de soleil, tout ça. Charpentier dit qu'il arrive à faire des coupes de luzerne quand il récolte très tôt et qu'il fait très sec. Pour l'instant, je n'ai pas testé. D'accord. Mais sinon, pourquoi pas? Si j'avais pas fauché avec ma première faucheuse et que j'avais plein de paille en andin partout, j'aurais certainement semé mon blé directement sans faucher. Donc, la luzerne, alors là, cette année, elle n'était pas en fleur, mais si elle était en fleur, elle aurait peut-être eu le temps de finir sa maturité, quoi. Oui, d'accord. Et là, moi, j'ai refauché, c'est pour étaler la paille. Donc, après, le semis du blé dans le mush de paille, là, j'ai fait ma première année cette année, je ne suis pas hyper satisfait du truc, d'où l'idée de mettre des discoureurs, des chasses débris et tout ça. Déjà, pour moi, il y a un truc de sûr, c'est qu'il ne faut, il faut pas être radin sur la semence. Il faut envoyer un maximum de soldats pour qu'il en reste un petit peu. J'ai mis avancer la date de 10 jours. Alors, dans mon secteur, on est en train de reculer la date de 15 jours pour semer par rapport au régras.
Donc aujourd'hui, j'ai commencé vers le 15. Donc maintenant, il faudrait que je refasse l'inverse de 10 jours par rapport au semi direct. Si vous voulez, pour bien le semi direct, il ne faudrait pas le faire trop tard, mais pour le régras, il ne faut pas le faire trop tôt. Mais en semi direct, il y a beaucoup moins de régras. Ça favorise moins la levée du régras. Donc je pense qu'il faut semer en été à la date normale, quoi. Pas trop tôt, mais début octobre, c'est bien. Parce que le problème, c'est que si on sème trop tard, le blé pousse moins vite en semi-direct qu'en conventionnel. Donc, après, on arrive tard dans la saison, il pousse moins vite, on court après les limaces. Et voilà. Donc, pour moi, il faut semer un peu plus tôt quand même. Et puis, ouais, discouvreur, chasse débris, puis retasser derrière au maximum. De toute façon, la seule partie du champ qui est beau, c'est les fourrières. Donc, moi, je vais faire des fourrières partout. En gros, il faut tasser. C'est la meilleure solution. Vous avez des questions ? Vaudrait mieux rouler à l'automne ou au printemps ? Ah, pour moi, c'est rouler aussitôt le semis. Le plus tôt possible derrière le semis. Alors, avec mon semoir. Après, d'autres semoirs sont certainement différents. Mais à l'automne, on a forcément la terre, même si on n'est pas en mauvaise condition, mais on a forcément la terre plus humide. Donc, le sillon a du mal à se refermer. Et ben, il faut rouler pour arriver à refermer le sillon. Et c'est l'objectif de mon rouleau que je vais mettre derrière le semoir, quoi. Après, rouler au printemps, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'on n'est pas, comme sur du labour avec un sol soufflé. On est vraiment sur du... Là, en semi-direct, au bout de 2 ans, le sol, il est vraiment dur, quoi. Ça n'a plus rien à voir avec du semi sur labour. Tu as répondu à la question, quoi ? Oui, c'est bon. Donc après, vous avez compris là, dans ma vidéo que je vous ai parlé de TCO et de FO. Donc, j'ai fait comme vous. Je suis allé voir des formations. Je suis allé voir des gens qui me parlaient de tout ça. Puis, de toute façon, pour moi, la seule solution, c'est d'essayer, quoi, pour voir ce qu'on peut en sortir. Donc, dans la même parcelle où il y avait la luzerne là, où les repousses de luzerne ou de colza, j'avais fait 3 bandes de pulvée, une bande avec des TCO. Donc, j'ai fait 4 passages de TCO à 258 hectares, donc les dates, voilà. Et normalement, ça devait être sur une demi-pente, mais j'ai fait un T2 sur toute la largeur parce que j'ai oublié de couper la rampe. Voilà. J'ai fait la même chose pour le purin d'ortie, sauf que là, j'ai coupé la rampe que sur une demi-largeur. Et entre deux, j'ai fait une bande de 24 mètres où j'ai fait mes 3 fongies normales, sauf CETA. Et à côté, j'ai fait une demi-bande sans rien, 0 fongie. Là, je vous détaille les différentes recettes de TCO. Alors oui, TCO, Kevin, c'est que je suis allé en chercher un collègue parce que moi, je n'étais pas prêt pour faire le mien. Donc, lui, il m'a dit qu'il avait mis de la mélasse, de le MayFirst, du bactérie et du lubricompost. Et ensuite, les TCO2, c'est moi qui les ai fait moi-même dans mon tank. Donc, ils ont eu 24 heures d'aération. Donc, c'est la même chose que moi, j'ai mis du Lumitrex en plus. Non, Lumitrex, c'est l'humifère, c'est la même chose. Et j'ai mis du StarTrex, c'est un compost de vinification. Enfin, c'est des recettes simples de TCO. Les fermentés d'ortie, Antoine, c'est pareil. J'avais fait l'extrait fermenté d'ortie l'année dernière, mais quand j'ai ouvert le bidon pour les utiliser, ça puait, ça sentait tout. Ça sentait les égouts, mais pas la pisse de vache. Donc, il a dû geler pendant l'hiver. Donc, c'est ce qui l'a fait tourner. Donc, je suis allé rechercher de l'extrait fermenté d'ortie chez un collègue en Seine-Maritime qui en fait. Et puis ensuite, j'ai fait d'autres extraits fermentés maison. Sauf que le problème, le FO1, il a été fait le 14 mai. Mais le 14 mai, les orties sont à peine poussées. Donc, j'ai vite fait un extrait fermenté rapidos où j'ai mis de l'eau dans un seau avec des orties. J'ai mis sur la chaudière. Et donc, c'est un extrait fermenté peut-être bien, mais peut-être pas, j'en sais rien. Voilà.
que j'ai mis à 18 hectares. Et après, j'ai fait d'autres extraits fermentés que j'ai mis les deux autres passages. Quoi. Non, j'ai fait deux EFO par l'EFO d'Antoine. J'ai fait un vite fait et j'ai mis l'EFO 2. C'est l'extrait fermenté que j'ai fait pour l'année prochaine. Et puis les T1, T1 c'est 125 g de tébuconazole et 2 kg de soufre. Le T2 c'est 0,5 de Revista et 0,5 de Raz. Le T3 c'est 0,25 de Prosaro et 0,2 d'Astor, qui est équivalent à Comet, c'est de la strombilurine, la fusariose. Pour faire une comparaison, j'ai recommencé la même chose dans un deuxième champ. Donc, par contre, ce n'était pas sur du semis direct, c'était sur du labour d'avance. Attends, toi. Du labour d'avance retravaillé. On n'est pas sur les mêmes variétés. Là, j'ai semé du Galactic, du Sacramento, du Beauregard mélangé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, au niveau phyto en grès, c'est à peu près la même chose. Donc là, c'est pareil, sauf que ce n'est pas la même disposition. J'ai fait des bandes avec de l'EFO, 24 mètres, avec T2, du TCO, 24 mètres, avec T2 ou sans T2, puis des témoins 3 fongies, des témoins 0 traitement. Donc c'est la même chose, sauf que ce n'est pas mis dans le même ordre. Quoi. Voilà. La prochaine, les constatations, vous avez une vidéo, vous avez une formation avec Martin qui vous en parlera certainement. Donc, on a vu quelque chose au niveau du redox par rapport au TCO, principalement. Il a fait des analyses de sève peu de temps après mes traitements et on a remarqué quelque chose. Voilà, c'était statistiquement vérifié. Le lien de la vidéo, il est ici. C'est un bilan d'un an de travail. Et là, vous aurez tout ça en détail. Voilà, et donc les résultats, ça fait ça. Il y a des questions sur le protocole avant ou pas? Oui, je vois que toutes les épandages sont faits le soir. Que ce soit en TCO ou en EFO. Vous n'aurez plus le droit de vous coucher de bonne heure. Non, c'est quelle raison? Alors, moi, j'ai suivi les recommandations de Jean-Charles De Villiers. De Villiers, oui. Voilà. Alors, pour le TCO, pour l'EFO, peut-être qu'on pourrait les faire dans la journée, j'en sais rien. Je ne me souviens pas. Mais pour le TCO, il faut les faire la tombée de la nuit parce que les petites bébêtes, elles sont sensibles aux rayons solaires, elles sont tout ça. Donc, il faut être sympa avec elles et il faut les faire à la tombée de la nuit. Ah oui, d'accord. Vu qu'on fait dans des cuves aussi. Voilà. C'est quand vous les pulvérisez sur les cultures, si vous les faites en plein soleil, en gros, elles n'ont pas le temps de… C'est une greffe quelque part. On fait une greffe de matière organique, de micro-organismes. Ouais. Donc, ouais. Elles sont cramées avant d'arriver. Quoi. Donc, moi, j'ai suivi bête indiscipliné, j'ai suivi les conseils de Villiers, 258, et le soir. D'accord. À la tombée de la nuit. Tôt le matin, ça ne marche pas, alors? Moi, je suis un couche-tard, donc ça me gêne moins de faire le soir. Je ne sais pas si ça ne marche pas le matin. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, De Villiers conseille plutôt le soir, et ça m'arrange bien. À mon avis, de toute façon, c'est le matin, c'est très bonne heure. Quoi. Alors, l'EFO, je pense que c'est un petit peu moins sensible à la chaleur. À la chaleur, oui. Mais de toute façon, en pratique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'EFO et j'ai fait le TCO juste derrière. Quoi. D'accord. On doit avoir les mêmes dates à quelque chose près, là 18h et là 21h. Quoi. Ah oui. Voilà. D'accord. Donc l'EFO toujours avant le TCO. Non, c'est deux parcelles différentes. Ah non, c'est deux parcelles. Ah oui, d'accord. Non, c'est pour vous dire que je pense que c'est moins sensible le fait de le faire dans la journée. Quoi. D'accord. Mais par contre, pas à midi en plein soleil. Quoi. Moi je vois ça comme ça parce que là on n'est pas sur du chimique, on est quand même sur du vivant dans les J'utilise les purins d'ortie en vigne
Je les mets sur les premiers traitements et effectivement, ce n'est pas sensible à, ni à la lumière ni à la chaleur. Enfin, de toute façon, je ne traite jamais en plein soleil, mais. Oui, voilà. Voilà, c'est juste au fait pour la silice qu'il y a dans l'ortie qu'on apporte ça. D'accord. Donc voilà, au niveau du protocole, j'étais clair ou pas? Donc les résultats. Oui, c'est bien détaillé. Les résultats. Hop, attendez, je ne vais pas faire tout voir en même temps. Entre le TNT, ça n'excuse pas, témoins non traités et trois fongies, j'ai 8,3 quintaux d'écart. Ce qui me fait donc 10 quintaux sur une parcelle en labour et 6 quintaux 5 sur le SD. 10 quintaux, ça ne fait pas lourd. J'aurais pensé qu'il y avait beaucoup plus. Il y a 4-5 ans, on m'aurait dit traite pas tes champs, ça fait que 10 quintaux, j'aurais pas osé le faire, quoi. Donc, bon, 10 quintaux pour cette année. Bon, par contre, on a vu au début que la pluviométrie du printemps, jusque fin avril, on avait une pluviométrie quand même qui était très, 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 très faible. Donc, je pense que ça a aidé pour cette année. Au niveau septo, on avait très peu de septo. Je pense qu'on a plus de maladies sur le labour par la densité du feuillage. Sur la labour, je suis semé à 12 d'écartement, des plantes plus rues, et je pense que ce n'est pas favorable aux maladies. Donc, ça peut peut-être expliquer un petit quelque chose. Et après, les gens qui sont ASD, qui sont sûrs de leur coup, diront que c'est une idée que ça permet de quintaux. Mais ça, bon, c'est à vérifier. Quand on regarde TCO plus T2 ou EFO plus T2, bah, y a déjà 5 quintaux pour le T2 à lui tout seul. Donc moi, bah, pour ma prochaine campagne, j'ai gardé mon soufre en premier passage parce que ce n'est pas vraiment un phyto et j'ai acheté que du T2. Voilà, parce que d'acheter des produits d'avance, je me dis que c'est pour ne pas les utiliser, le meilleur moyen, c'est de ne pas les acheter. Donc, comme ça, je ne serais pas tenté de les utiliser. Et s'il y a de la maladie, bah, j'irai en chercher au compte-gouttes à la coopérative. Je paierai certainement un peu plus cher, mais globalement, je pense que ça évitera de mettre du produit pour rien par moment. L'EFO, on fait 84, 84 par rapport à 86. On fait 86 par 85. Là, il y a un poil de, là, il y a un poil de plus et il y a un poil de moins. Donc, bah, pour moi, l'EFO, bah, il n'a rien fait du tout. Le collègue en Seine-Maritime a la même constatation que moi cette année, alors que lui en faisait depuis 2-3 ans et trouvait quelque chose. L'ARAD2 avec le GI2 des Trois Vallées à d'autres groupes, et on se retrouve sur les mêmes constatations, c'est que cette année, le FO, bah, ça n'a pas fait grand-chose, ça n'a même plutôt rien fait du tout. Quand on regarde témoins non traités, TCO, tout seul, alors j'ai qu'un cas parce que l'autre, là, je me suis trompé, il y a 3 quintaux d'écart. Voilà, et quand on regarde TCO plus T2, donc c'est cette colonne, c'est celle-là. TCO plus T2, là dans ce cas-là, on fait plus que le témoin que 3 fongies, et là on fait légèrement moins que 3 fongies. Mais globalement, on fait mieux que 3 fongies, parce que si on fait la moyenne des deux, on fait mieux que 3 fongies. Ben, on l'a là. Donc, ben, ça pose plein de questions, plein d'interrogations. Je pense que ça a des effets. Voilà. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Aux questions. C'est dans le SD que le PS il est aux normes. Neuville, c'est le SD. La bourse, c'est devant. Donc, sur la bourse, c'est passé en fourrager. C'est passé en mélange avec celui-là. Non, mais au niveau qualité du PS, il est passé en fourrager.
Ah non, parce que comme je stocke, je vais mettre deux cellules en route en même temps. Oui, d'accord. Voilà. Alors là, par contre, ce n'est pas le même jour de récolte. Humidité, si j'étais sec. Si j'étais sec, est-ce que ce champ-là a repris la flotte ou pas? Parce que la moisson, on l'a fait en deux temps. On a commencé à récolter au début de la moisson, on avait des bons PS, et on a pris 8 jours de flotte et on a fait ça et on a continué la moisson. Est-ce que ça, ça a été fait après la moisson, après l'eau ou pas? Oui, je pense quand même, vu le PS, c'était ça, ouais. Il y a eu 15 jours de pluie entre deux, là. D'accord. Donc le PS n'est pas dû ni au. La baisse de PS n'est pas due ni au labour, ni au. Voilà, c'est la pluie entre deux. D'accord. Tu n'as pas fait d'essai juste T2, T3 avec des traitements de fongi? Non. Non, parce que. T2, on a la réponse par rapport au TC, avec TCO avec T2 et EFO sans T2. Ça corrobore un peu les essais du CETA, parce qu'eux font les essais T1 à part, T2 tout seul, T3 tout seul. Et ça corrobore, il y a en gros 50% pour le T2, et puis 25% pour le T1 et 25% pour le T3. D'accord, parce que je ne sais pas, on a un groupe là, 30 000, là, et visiblement, ils nous conseillaient de même pas faire de T1. Il commence à y avoir des dans ce sens-là, vu la climato, qu'on pouvait se passer du T1. Enfin, si on était joueur, on pouvait essayer. Sur le devant, là, il n'y a pas eu. Sur le devant, il y a eu un T1. Voilà. Il n'y a eu que du soufre, il n'y a pas eu de tébuco, quoi. Et voilà, c'est tout comme, quoi, finalement. Pardon? C'est comme s'il n'y avait pas eu de T1. Du soufre, parce qu'on considère que c'est un fongicide, j'en sais rien. Moi, je pense que ça a un effet booster de plantes vitamines et que ça a certainement un petit effet fongi, mais c'est pas vraiment un fongi, quoi. Il est fait à quel stade le T1? Le T1, il est fait à un petit de nœud, quoi. Je sais plus trop comment, quel âge j'ai fait ça. Attendez. À gauche, 28 avril. Ouais, 28 avril, j'ai pas ça en tête, mais parce que je me souviens plus, un petit de nœud, oui. Le T2 est fait dernière feuille étalée et le T3 est fait après piaison. D'accord. Et le T1, en gros, on essaie de protéger, c'est quand l'avant-dernière feuille était étalée, quoi. C'est là où je fais mon T1. D'accord. C'est surtout comme on est sur un produit de contact au niveau souffle, donc autant attendre que la feuille soit sortie. Quoi. Voilà. Oui, c'est sûr. Dans ce cas-là, combien de fois passer du thé de compost avec du T2, voir si c'est aussi efficace. Ce thé passé combien de fois en tout avec du thé de compost déjà? 3 fois? 4 fois. Avec 4 fois. Est-ce que moins, ça ferait aussi bien? Je vous laisse. Expérimentation. oui, peut-être, je ne sais pas. Le thé de compost, oui, vous voulez que je vous reparle un peu de comment je le fais, tout ça, ou vous avez tout compris dans la vidéo? C'était assez clair dans la vidéo. Hein. C'est juste que moi, j'ai pas l'installation pour. Faut la construire. Voilà. Moi, si vous voulez, le thé de compost, c'est quelque chose qui ne coûte pas cher à faire. Donc, sur Internet, il y a des gars qui disent, oui, on peut en mettre que 150 litres, mais le couper, on peut faire que 3, on peut faire 4. Moi, pour moi, j'ai plus cher d'installation de machine que de produits que je mets dedans après, quoi.
Donc, moi, je pense qu'il faut, enfin, c'est mon avis, hein, il faut 258 hectares, ça fait 25 litres au mètre carré, c'est ça, si je ne me trompe pas? Donc, 2 litres 5 au mètre carré. Je ne sais plus. Enfin, vraiment, il faut mouiller, quoi. Faut que ça, on n'est pas sur le même phénomène qu'un fongicide, quoi. Après, oui, peut-être, je ne sais pas. Il y a encore plein d'interrogations. Bon. Je continue ou d'autres questions? Il faut prévoir un budget de combien pour une installation à peu près comme la tienne? Mon tank 3300 litres, je l'ai acheté 900 euros. Après, j'ai acheté tout ce qui est diffuseur et pompe à air sur AliExpress en Chine. J'ai acheté ça moins de 600 euros. 600 euros avec la douane, 650 euros. En France, chez Atlantide, c'était plutôt dans l'entour de 1000 euros. Après, une chaudière, moi j'ai acheté une chaudière, c'est une chaudière de maison, ça se vend sur le Bon Coin, il y en a sur le Bon Coin à vendre, c'est des chaudières, il y a deux tuyaux, un tuyau d'eau chaude, un tuyau d'eau froide, c'est un chauffage central électrique, quoi. Ça vaut, moi je l'ai payé 600 euros. Et puis après, c'est des heures de main-d'œuvre et de bricolage, quoi. Puis alors j'ai l'avantage d'avoir ce qu'il faut pour souder l'inox, pour faire la rampe pour les diffuseurs en dessous. Mais on peut faire autrement, mais bon, c'est plus facile de faire en inox pour moi. On peut faire en PVC. Voilà. Après, voilà, c'est tout ce qu'il nous faut pour faire une petite compost, quoi. Plus après, les bricoles, les filtres, les filtres, oui, encore pour 100 balles facilement. Plus c'est la petite pompe à air et puis les petits diffuseurs pour mettre dans les filtres, il y en a encore pour 150 balles, quoi. Donc, comme vous avez pris un papier et un crayon, vous avez noté ce que ça fait, ce que je n'ai pas fait le total, moi. Allô? À peu près 2300-2005. Voilà, bon. Plus un pulvé, parce que sinon, vous allez vous emmerder. Moi, je crois qu'on n'est pas en bio, alors comme ça devrait être bon. Pardon? Non, parce il ne doit pas y avoir grand monde en bio. Non, mais moi, j'ai fait le choix de racheter un deuxième pulvé. Parce que je vois pas comment vous allez faire pour faire du thé de compost, faire du fongi le matin et du thé de compost le soir. Ça colle? Non, ça colle pas, mais s'il reste la moindre goutte de fongi dans le pulvé, à mon avis, la cuvée, c'est comme si ça marche des bactéries, quoi. Comment ce qui reste sur les parois de la tonne. Donc, oui, pour moi, il faut aller au bout ou pas. Sinon, c'est compliqué. Moi, j'ai trouvé un vieux pulvé à 500 balles, quoi, mais c'est un pulvé, tant qu'il marche, c'est le principal. C'est un vieux Volux, un Berthoud Volux, je ne sais pas si vous voyez, avec la pompe qui marche avec les roues. Là. Vas-y. En DPAE. En DPA, tout court. Le E, c'est électronique, ça ne sert à rien, ça. Oui, d'accord. Non, en DPA tout court, de toute façon, c'est réglé à 250 litres, basta, et puis ça met 250 litres. Parce qu'à mon avis aussi, un pulvé, il ne faut pas prendre un pulvé trop moderne avec une pompe ou le thé de compost, parce que c'est des bactéries, donc il ne faut pas les écraser, quoi. Moi, dans mon pulvé, il n'y a pas de brassage, je ne mets pas le brassage en route. La pompe, elle aspire son volume, elle l'étale direct, quoi. D'accord. Pour moi, il faut repenser tout ça aussi. Parce que si vous avez un pulvé avec une pompe centrifuge, un bon pulvé qui brasse bien, je pense que vous allez étaler de la purée de bactéries, mais pas des bactéries. Et je ne suis pas sûr que ce soit... c'est ma vision des choses. Oui, d'accord. C'est pareil. De buse? Pardon? Quel type de buse? Alors, des buses à fente normales. Bon, par contre, actuellement, je ne les ai pas changées. Donc, j'ai des buses où je mets 250 litres en roulant à 5 km/h. Alors là, je suis en train d'en acheter des beaucoup plus grosses pour pouvoir aller plus vite, quoi. D'accord.
Parce qu'il ne faut pas beaucoup de pression. Il ne faut pas monter non plus de pression. Sinon, vous allez écraser les bestioles. Il faut pulvériser à un bar d'eau de pression, quoi. Maxi. Donc, tout ça, c'est un... Je pense qu'il faut faire une bonne formation avec De Villiers pour avoir tous les... comprendre vraiment le fonctionnement du poste. Parce que voilà, et puis je pense qu'au niveau pratique, il faut un minimum de matériel. Et justement, le nettoyage, le rinçage du pulvé, c'est pas fastidieux. À partir du moment qu'il sert qu'à ça, mon pulvé, je suis pas trop. Alors, je le passe à l'eau, mais c'est tout, quoi. D'accord. Non, parce que c'est pas du purin, c'est relativement liquide et propre, hein, quand c'est bien filtré. Parce que quand dans la fabrication, il avait l'air de dire qu'il faut bien nettoyer les cubis, ou les tanks. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Du coup, mais... je me pose la question dans le pulvé, parce que alors, voilà, pulvé, ça rentre dans les tuyaux. Alors, dans le pulvé, oui. Alors, moi, là, pour l'instant, c'est ma première année, donc je passe de l'eau entre deux. Alors, comme je le fais le soir, je ne le fais pas le soir, ça me gave, je le fais le lendemain matin, je rince le pulvé à l'eau. Ouais. Mais dans l'idée, c'est aussi d'y mettre, d'aménager, voilà, et puis ils mettent un bidon de rinçage. Moi, il a pas de cuve de rinçage, mon pulvé actuellement, mais ce serait d'avoir une cuve de rinçage pour pouvoir y faire un rinçage aussitôt fini, quoi, au champ. Au champ, ouais. Parce que le thé de compost, quand ça sèche, ça fait une couche qui devient dure sur le. Vous en mettez dans un seau et. Ouais, une pellicule. Voilà, ça fait une pellicule un peu comme il y a dans les tuyaux, dans les poulaillers. Là, il y a du biofilm, ils appellent ça. Ça fait ça. Ouais. Ça fait du biofilm. Donc, pour moi, il faut le rincer le plus tôt possible. Mais bon, pour l'instant, mon pulvé n'est pas encore aménagé pour. Mais l'idée, c'est de mettre quand même des buses de rinçage à l'intérieur. Quoi. D'accord. Ouais. Mais en faisant comme ça un rinçage, même le lendemain, tu n'as pas eu de soucis sur le... Après, ça ne s'est pas bouché, quoi. Ah non, de toute façon, à mon avis, le risque, ce n'est pas que ça se bouche, le risque, c'est de multiplier des bactéries pathogènes. Oui, c'est ça aussi. Voilà, le fait que ça se bouche, ça va pas faire un biofilm. C'est pas multiplier n'importe quoi. Oui. Voilà, après, dans le tank, je l'explique dans la vidéo, pour moi, il faut un tank avec un lavage automatique. Oui, C'est indispensable parce qu'il faut que le système soit pensé pour ne pas être esclave, sinon ça ne marche pas. Quoi, sinon, on ne le fait pas. Ça, c'est sûr. Voilà. Ouais. Alors, dans la vidéo, j'explique un peu. Alors, pour moi, le purin d'ortie, ce n'est pas non plus si simple que ça à utiliser et à mettre en place. Quoi. Et le problème, c'est que les orties poussent au printemps et on a besoin de purin d'ortie avant que les orties soient poussées. Quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut le stocker pendant quasiment un an. Et le stockage, mais... quelque chose. Excuse-moi, tu peux ramasser les orties toute l'année, tu les fais sécher, tu en emploies un peu plus pour faire ton purin, mais ouais. elles ont la même utilité. Et pour les passer dans les pulvées, tu utilises un bas, en fait, comme filtre, c'est suffisant. Un bas, ça passe très bien dans toutes les buses utilisées, avec 7 kg de pression. À 7 kg de pression? Ouais. D'accord. Mais après, j'ai moins détaillé le purin d'ortie. Je suis allé moins loin dans la démarche. Après, pourquoi pas pour moi... Le purin d'ortie, en fait, il te sert surtout à rigidifier tes pailles, parce que ça apportera rien de plus. Ça aide à solidifier, à rendre plus résistantes les parois des cellules. Et du coup, ça les rend aussi plus résistants aux attaques des champignons. Alors pour moi, parce que dans mon cas, c'est le mildiou. Vous, je ne sais pas exactement ce que c'est comme les champignons qui s'attaquent aux céréales, mais voilà, ça les rend plus résistants grâce à une rigidification des parois cellulaires par la silice que contient l'ortie. D'accord. Bon, moi, j'ai fait une formation avec Biot. Il nous a pas parlé de ça. Pour lui, c'est plus un effet, comment il appelle ça, vaccin, quoi. Il y a un terme que j'ai oublié. En gros, pour booster les défenses immunitaires, quoi. Il ne faut surtout pas mettre le purin d'ortie sur des plantes malades, il faut le mettre avant, quoi.
Non, et puis il faut voilà, avoir une bonne dilution parce que sinon ça te crame tout. Voilà. Ouais. Donc, bon, pour moi, le TCO, alors au premier abord, on pense que moi personnellement, alors mon expérience, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Je me disais, le purin d'ortie, c'est plus simple. Je prépare mon truc une fois par an, je le stocke et quand j'en ai besoin, je le mets dans la tonne et j'y vais. Parce que là, pour le purin d'ortie, justement, il n'y a pas de problème de phyto. C'est vrai, mais pour moi, le stockage, c'est compliqué. Alors après, faire du purin d'ortie régulièrement avec des orties sèches, pourquoi pas. Ce que j'ai lu à droite à gauche, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, j'en sais rien. Voilà. Voilà. Le thé de compost, une fois que le matériel est installé, pour moi, c'est pas si compliqué que ça. Quoi. C'est faisable. Bon, parce que j'ai 70 hectares. Hein. Si j'en aurais 700, ça ne serait pas pareil. Ouais. Voilà ce que je peux vous dire sur la question. C'est bon? Oui, oui. Donc, bah, on l'a vu tout à l'heure. Donc, moi, cette structure-là me plaît quand même mieux que celle-là. Donc, je pense que depuis 2 ans, j'ai plutôt pas fait de conneries, mais c'est plutôt mieux. Là, on commence à avoir des radicelles à 60 cm. C'est plutôt bon signe pour moi. Mon meilleur ami, c'est un peson. Parce que faire des essais, c'est bien, mais si on ne mesure pas au bout du compte ce qu'on a fait, c'est comme si on n'avait rien fait. De dire on va mettre dans la benne, on va aller peser à la COP, machin truc, moi personnellement, quand je fais la moisson, je suis pressé, donc je n'ai pas le temps. Donc un peson, 2 big bags, c'est la meilleure solution pour mesurer des essais. Donc je taille en travers de la parcelle 150 mètres de longueur. Et puis après, je fais des coupes pleines sur cette longueur que je mets dans un big bag. Donc, un big bag sur le bout de la vis, un big bag par terre au sol, accroché sur des fourches de Manitou, on remplit au sol. Et pendant le temps que je vais faire ma deuxième bande, ma fille pèse le big bag au peson, elle en prend un échantillon, elle vide dans la benne. Et donc, ça va relativement vite, c'est relativement pratique. Voilà. Là, je vous mets en vrac tous les petits détails que j'ai. Vous avez des questions? Non, pas de questions sur le peson? Sur la façon de faire les essais? Non, merci, c'est bien. D'accord, pour toi. Voilà. Je vous ai parlé dans la vidéo du rhombotrachylogramme. Voilà, ça ressemblait à ça. Donc des serpillères qu'on a mis sur la rampe et le régras vient frotter sur la serpillière. Et les résultats d'essai du CETA, après le CETA a pris du régras et l'a envoyé pour faire un test de germination et on aurait une efficacité à 90%. Donc, c'est plutôt encourageant pour moi. Alors, tous mes champs ne sont pas comme ça. Hein. Là, c'était la zone la pire. Pour moi, il faut, comme je dis dans la vidéo, il faut faire les champs propres, il faut éviter que ça devienne comme ça. Et pour moi, c'est quelque chose à améliorer. Il faut mettre un peu d'électronique là-dessus pour vraiment que la rampe suive le blé bien. Mais pour moi, c'est une bonne piste à utiliser. Voilà. Qu'est-ce que vous pulvérisez sur le régras, là ? On ne pulvérise pas. Du glyphosate. Okay. Les serpillères sont imbibées de glyphosate. Ouais, okay. Et donc, ça frotte sur les épis de régras sans frotter sur le blé. Et donc, ça fait crever le régras. Okay. Donc, ça ne sert à rien pour cette année parce que là, le mal est fait. Mais en faisant ça sur les parcelles qui sont propres, ça tue les quelques régras avant qu'ils fassent des petits pour l'année prochaine, quoi. Voilà, et puis après, j'ai une dernière photo d'un outil très, très sophistiqué. J'ai pris la plus grosse que j'ai trouvée parce que je la trouve mignonne quand même. Donc, malgré si je suis un agriculteur de conservation, je ne suis pas forcément contre les charrues. Mais pour moi, la charrue, c'est comme un bistouri. C'est quand on a besoin de se faire remettre une prothèse de hanche ou d'épaule ou je ne sais quoi.
Eh bien, quand vous aurez fait de l'agriculture de conservation, puis que vous serez loupé, puis que vous aurez une culture trop claire, et que vous serez loupé, et que vous aurez un champ dégueulasse, eh bien, la charrue, c'est à mon avis encore une solution qui peut être utilisable de temps en temps. Alors, très peu souvent, pas tous les ans, parce que de temps en temps, c'est tous les 5, 7, 8 ans, on va dire. Mais un coup de charrue, c'est, bah, oui, ça fait du travail au niveau des herbages. Mais par contre, derrière, faut penser à la rééducation. Bah, ça veut dire couvert, tout retravailler et deux fois qu'une. Quoi. Voilà, donc tout ce que j'avais à vous dire. Du coup, vous allez continuer sur l'utilisation du TCO et peut-être moins sur les macérations d'ortie. Alors cette année, j'ai prévu, j'ai de la macération d'ortie pour en faire 40, j'en ai pour en faire 40 hectares. Donc j'ai prévu mettre un coup de macération d'ortie et après au printemps et après partir sur du TCO. D'accord. Dans mes champs, mais je vais quand même continuer à faire mes bandes là. En plus, je vais le refaire directement au même endroit, ça tombe bien parce que c'est toujours du blé et toujours. Donc, je vais refaire la même chose, le même protocole par-dessus le protocole de l'année dernière avec 4 TCO et 4 et un seul T2. Pareil, le même protocole. Plusieurs bandes. Tout pareil. D'accord. 3 fongies, 0 traitement. Alors, dans tous mes champs, j'ai décidé que je n'allais pas faire de T1 ni de T3. Dans le protocole, est-ce que je vais faire T1, T3? Je ne sais pas si je vais pousser le vis à ça. Je vais faire comme je fais d'habitude. Donc, je vais faire qu'un T2, en gros. Quoi. T1 souffle, T2. Et est-ce que vous utilisez un régulateur? Parce que, justement, on parlait de la silice dans les macérations d'ortie. Régulateur de croissance. Oui, est-ce que ça a l'effet de renforcer pour éviter le... Dans mon ancienne vie, je ne me serais pas passé de régulateur parce que on voyait j'ai connu des champs hyper aversés. Alors, est-ce qu'il y a... Bon, à mon avis, il y a plusieurs phénomènes. Je pense que nos variétés qu'on a aujourd'hui, ils sont quand même beaucoup plus résistantes à l'averse que ce qu'on avait avant. Oui. On est beaucoup plus light au niveau azote que ce qu'on était avant, parce que les PPF sont quand même passés par là et on fait plus tout à fait ce qu'on veut. Donc, on a moins de d'arrière-effet de fumure, on a moins de tout ça. Je pense qu'en SD, vu l'écartement de semis qu'on a, je ressens pas le blé pousser pareil. Il monte moins direct en poireau. Donc, je pense que le sécocel, il devient quasiment inutile. Quoi. Inutile. D'accord. Après, dans les C-azote, on est monté à 320. C'était droit et debout. Hein. On n'a pourtant pas eu une climato si mal que ça. On a quand même eu un peu d'eau au mois de mai et juin. Donc, voilà, c'était quand même pas… Mais bon, de toute façon, avant, à une période, je faisais sécocel et modus. Bon, le modus, c'est bon, il est au garage. Quoi. Ouais. Voilà. Au niveau implantation, enfin semoir, vous avez essayé que des semoirs à disque. Ouais. D'accord. Ouais, pas fait d'essai au semoir à dents. Non, alors j'y pense d'en fabriquer un. Je pense que le semoir à dents a quand même certains avantages. C'est indéniable. Moi, j'en ai pas personnellement, mais quand on peut voir des semis dans de la paille avec du semoir à dents, ça a l'air d'aller plutôt mieux. Il a un premier avantage, c'est qu'il coûte pas en général beaucoup moins cher. Par contre, moi, je me dis que je veux quand même. Mon objectif premier, c'est quand même de faire des blés sous couvert de luzerne. Ah oui, ça devient plus compliqué. Donc, c'est pour ça que je vais directement par là, quoi. Parce que moi, j'ai fabriqué un semoir à dents et donc je faisais mes couverts d'été et mes colzas avec. Et maintenant, je viens d'avoir acquérir un semoir à disque, mais je continue de faire mes colzas avec le semoir à dents. Mais oui, de toute façon... vous avez parlé de l'implantation de la luzerne qui
des fois peut peut-être être un peu trop profond. Est-ce que ça peut être un signe de pas de réussite de l'implantation de la luzerne, la profondeur, à cause du semoir à dents, je sais pas. Bah, à mon avis, vous n'êtes pas plus mal en semoir à dents qu'en semoir à disque. Hein. Ouais. Vous arrivez à faire des colzas en semis sur chaume sans travail du tout au semoir à dents? Ouais, bah, s'ils ne sont pas mangés par les limaces, ils sont beaux. D'accord. Mais mon problème, c'était plutôt les limaces et la gestion de la paille. Je crois que je suis à 15 cm inter-rang. Et j'ai eu des problèmes de... Ouais, de bon, ça fait des tas de paille, quoi. Donc, je me posais la question d'écarter, de mettre moins dedans et justement d'écarter les rangs. À mon avis, en blé colza, il n'y a pas trop de problèmes à aller jusqu'à 20 cm. Ouais. Parce que j'aurais moins de problèmes à gérer la paille. Et aussi au niveau de la gestion de la paille, donc vous fauchez après la moisson, vous coupez court, mais vous fauchez, donc ça laisse des longs brins dans le. Moi, je fauche avec la machine le plus haut possible. Si je pouvais prendre que les épis, je prendrais que les épis. Mais la machine avait un peu de paille quand même, sinon elle grogne. Ouais. Et après, je refauche tout à ras. Mais de suite après la moisson. Voilà, ouais. Et pour l'implantation au disque, qui du coup intervient deux mois. Il y a deux ans, j'ai fait un couvert annuel derrière la moisson. J'ai semé avant de refaucher. Ouais. J'ai semé dans la paille haute. Oui. Et après, j'ai fauché, j'ai mis ça au sol. D'accord. Sauf qu'il y a deux ans, il y a un an, le couvert il a tellement mal poussé que je me suis retrouvé au mois d'octobre avec un gros tapis de paille au sol. Ouais. Là, cette année, normalement, je n'ai pas semé. C'est tout la moisson de la luzerne, elle doit être là. C'est ça. Donc, moi, j'ai suivi ces recommandations par rapport à Charpentier, qui c'est le travail des mulots principalement. Quoi. Ah oui. Par rapport aux mulots. C'est un des principaux problèmes. Et lui, d'après ce qu'il dit, c'est quand même le fauchage qui a permis de réguler beaucoup ces mulots. Donc, pour lui, c'est important de le faire finalement dès la moisson. Quoi. Voilà, le plus tôt possible. Faucher couper haut, mais faucher tout de suite après. Moi, je coupe haut parce que je pense que c'est. Moi, je préfère laisser de la paille entière au sol que de la paille broyée. Après, est-ce que si on coupait bas, est-ce que je ne sais pas. Si vous avez un semoir à dents, coupé bas, à mon avis, c'est peut-être moins compliqué de semer dans de la paille broyée que dans de la paille, je ne sais pas. Ouais. Par contre, avec une machine, ou alors soit vous êtes votre machine est. Parce que là, moi, quand je dis je coupe ras, je coupe à 3 cm. Quoi, hein. Ah oui. Après. Avec une faucheuse, sauf si vous n'avez pas du tout de cailloux dans vos champs et que vous n'avez pas peur. Mais moi, j'arrive pas à faucher à beaucoup moins de 15 avec une faucheuse. Avec une... Ouais, non, c'est pareil. Non. Voilà. Et donc, rien que ça, les rapaces, quand à mon avis, ils ont les ailes qui touchent les chaumes avant d'attraper le mulot. Hein. Ouais. Donc, c'est broyé ou c'est une faucheuse à... C'est une faucheuse à herbe. Une faucheuse à disque. Donc, ça ne broie pas les végétaux. Hein. Ça ne fait que couper. D'accord. C'est comme une tondeuse à gazon, si vous voulez. Ça, c'est des disques qui coupent, qui éjectent aussitôt. Sauf que le problème, c'est qu'il faut le rotor derrière, là, le conditionneur, pour réétaler derrière. Sinon, ça rendaine. Ouais, c'est à nous de modifier le. Moi, c'est la solution que j'ai trouvée. Après, après, il y aurait peut-être des broyeurs, des gros broyeurs à axe horizontal qui pourraient marcher. Moi, j'ai pris cette solution-là parce qu'en plus, ça me permet de travailler sur le côté du tracteur. Je ne roule pas dans ce que je fais. Ouais. Et quand je moissonne, j'essaie d'être à peu près, de faire des planches à peu près régulières et de m'arranger à refaucher en prenant à rebrousse-poêle. Ouais. Voilà, après, c'est ma façon de faire.
En plus, ces faucheuses-là, ça ne sert à rien. Quoi. Oui, c'est moins coûteux en fuel qu'un broyeur. Voilà. Voilà. Je roule à 12 km/h et puis ça coupe. Quoi. Puis ça sort direct. Alors qu'un broyeur, il faut des chevaux et tout ça. Quoi. C'est ça. Et en plus, vous allez rouler devant, dedans, donc vous allez coucher, ça va faire des bandes dégueulasses, bon, qui ne sont peut-être pas préjudiciables, mais voilà. Et du coup, pour un blé sur blé, vous faites pareil? Vous fauchez aussi de la même manière? Oui. Ouais. Parce que de toute façon, il y aura la luzerne après. Oui. Alors, bon, pour l'instant, je vous dis, j'en suis mes débuts dans ce truc-là. Hein. Bon, là, pour l'instant, ça a l'air d'être levé pas trop mal. Je vous en reparlerai au mois de juin prochain. D'accord. Voilà. Non. Pour moi, c'est le point de faire de. Parce que moi, je veux faire de la. Je veux pas faire de la. Je veux pas faire que du premier blé. Parce qu'il y a des gars qui sont enassés, qui me disent bah ouais, moi, je fais que du premier blé, comme ça, je ne suis pas emmerdé avec la paille. Oui. Mais moi, je ne sais pas faire ça et je n'ai pas forcément envie de faire ça. Donc, moi, l'objectif, c'est quand même d'arriver à implanter des blés sur blés. De faire des blés sur blés. Donc, c'est pour ça que je travaille ce côté-là, en regardant les discouvreurs, les chasses débris. Voilà. Après, j'ai pas toutes les réponses, quoi. Ah ouais.